Et ok! Yes, salut à tous, c'est Cédric Alcosson, on est parti pour notre séance hebdomadaire consacrée à Yu-Gi-Oh! Master Duel. Désolé pour la semaine dernière, encore une fois, que je ne pouvais pas faire de live dessus, donc du coup j'ai un peu de retard. Donc on va se dépêcher. On a pas mal de taf, on a des nouveautés, on a une nouvelle saison. Du coup je suis redescendu bronze 5 depuis la dernière fois. Bon, c'est calculé un peu, mais voilà, les nouveaux portails du mode solo. Bon, ça j'expliquerai, il y a des trucs. Mais avant toute chose, avant de commencer, allez, pour se mettre dans le bain, notre petite quête de spectateur. Et on finira dessus normalement comme à l'habitude. Histoire que les gens arrivent tranquillement, hein, qu'ils ne ratent rien de mes actes et de mes faits et gestes sur le jeu. Un mode spec pour faire venir tout le monde. Oula. De l'invoquer de SS sur truc de. Il n'y a pas de lumière hein, chez les skyscrapers. Alors là c'est what the fuck, tuto direct en game, je sais pas pourquoi. On a deux cancres la max. Alors qu'en face un magicien pendule. En plus c'est le fort là, c'est pas le mode faiblard normalement. Ok, deuxième en lignon. Accès. Ah non c'est pardon. Ça ressemblait mais non c'est ça je vais. Ça ressemblait à un endignon. Venom. J'appelle la Venom. Le poison violet. L'arlequin. Putain, il y a des cartes. Je ne les trouvais pas depuis un petit moment. Allez, c'est parti le maxi. Oh il y a même. Oh là là, il y a tout ce qu'il faut. Je connais pas par contre. Encore un sage soleil. Il y a Boubo. Coucou. Un Alessia. Un Graal interdit. Destruction, épais, un Vox P. Ah là là, le kill. Oh, une carte bannie. Oh, elle éclaire. Putain. C'est un hasard. Oh là. Non, je crois pas. Il hein. Y a quand même deux. Il peut faire le dragon exquis. Un Vox P. Mal joué. Très mal joué. Un ça y a déjà le kill. Merci. Voilà. Un H Blossom en plus qu'il a pioché. Lightning Storm. Mais voilà, ton bord du puits est la merde. C'était du gold, hein. Gold de 3. On est en début de saison, il n'y a pas encore vraiment de platine qu'on peut spec. Genre qu'il y en a déjà, mais ça reste chaud pour l'instant. Alors, du coup, les notifs. Mais pourquoi tu me casses les couilles avec mes notifs? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus. Là, maintenant, c'est bon. Ça, c'est bon. Tu me casses les couilles. C'est fini, les notifs. Tout fouillé. On va me casser les couilles avec les notifs. Hop, la mission. Donc, aujourd'hui, ce qui est prévu. Déjà, ça, c'est sûr. En urgence. J'ai fait mes calculs, il me reste 4 séances avant le reboot. Du coup, j'ai calculé qu'il fallait que... Les rangs qu'il faut que chaque soirée. Donc ce soir, normalement, je dois monter rang 55. Je dois monter ici. Pour être dans les temps et pas faire plus de PVP qu'il en faut par séance. Donc ça correspond à peu près aux 14 que je faisais par semaine, cette fois c'est 15. Donc j'ai un peu de retard. Mais en tout cas ce soir j'arriverai à avoir au moins le portrait et la constructe. Ça, ça va me faire du bien parce que j'en ai marre du Blue Age alternative et l'autre qui propose c'est de la merde. Par contre pour ce qui est du pot, il va falloir attendre la toute dernière séance de mars qui est prévue. Donc je recalcule, ouais c'est le 25 que je devrais l'obtenir si je fais mes 15 rangs. Donc là 55, la semaine prochaine 70, dans deux semaines 85 et la dernière séance 100. Voilà les rangs en objectif. Mais comme d'habitude je vais commencer un petit peu avec le mode solo, j'ai hésité mais je pense que le solo c'est un peu urgent. Et là je vais expliquer la situation. Donc à la base, avant l'arrivée de toutes les mises à jour et toutes les nouveautés, je devais faire les guerriers et les insectes numériques en mode full, là, en ouvrant les portes, etc. Mais comme vous l'avez vu, la dernière fois, il y a eu... non, je crois que... Je sais même pas s'il était sorti la dernière séance.
et on avait les Seigneurs Lumière qui sont sortis. Et derrière, il y a un défi deck qui est sorti aussi. Il était au talent à l'épreuve, c'est spécial et gagner des récompenses spectaculaires. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Cependant, je peux pas le faire. Ce qui fait un déçu hein, parmi mes proches qui voudraient absolument que je fasse ces défis-là, qu'apparemment il y a des défis qui peuvent être ultra hardcore. Bah, le problème, c'est voilà. Donc, finalement, je vais chambouler un peu mes séances histoire qu'on me casse moins les couilles. Et malheureusement, ce soir, je vais faire juste un seul truc parce qu'il est assez long. On va faire le lore héritage du monde maintenant. Donc, alors, je me suis pas spoilé les duels, etc. Mais je sais que dans le lore héritage du monde que je vais faire, il n'y a que la première partie. Parce que j'appelle la première partie en deux parties. Donc, c'est parti. Donc, exploiter le calice du monde avec des invocations par lien qui utilisent des monstres normaux pour invoquer des monstres plus puissants et affronter les crawlers avec armure du monde, qui a un effet puissant lorsqu'elle est invoquée par flip. Le combat pour l'héritage du monde commence. Il n'a aucun sens. Hein. Donc voilà, donc j'ai tout ça à faire ce soir. Ça va être long. Donc beaucoup d'histoires, beaucoup de scénarios. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis en projet de le faire, mais vous voyez, depuis que le jeu est sorti, je suis beaucoup moins motivé de le faire. Mais si vous voulez absolument que je vous raconte le lore héritage du monde, enfin ma version en quelque sorte, entre guillemets, ou si vous voulez quand même que je vous fasse une présentation du lore héritage du monde complet, qui est un gros projet que j'avais promis de faire, mais voilà, le jeu va venir me chambouler tout ça, donc n'hésitez pas pour la rediff qui sera sur YouTube prochainement, donc la semaine prochaine, hein. Ça sera à attendre de samedi prochain. La rediff de ce live aura lieu samedi prochain sur YouTube. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez absolument. N'hésitez pas à me prévenir même maintenant pour ceux qui sont en steak si vous voulez que je fasse le lore héritage du monde si ça t'intéresse. Et j'ai un Discord pour ça, vous pouvez aussi me harceler sur le Discord si vous voulez que je fasse ce lore, que je fasse une présentation lors d'un à travers les cartes qui, comme j'ai dit, est un projet. J'en dis pas plus parce que s'il n'aura pas lieu, ben, autant laisser en suspens. Mais en tout cas, voilà, je l'avais préparé, j'ai mis de côté déjà tout ce que j'ai déjà préparé. Mais il faut savoir que là-dessus, ils ont résumé assez grossièrement le truc et ils se sont même, pour ma part, je trouve, plantés. Je connais que le début et je connais la toute fin, mais je connais pas du tout ce qu'il y a entre les deux. Donc je vais vous dire ce qui est cohérent et ce qui est incohérent avec ce que j'avais compris moi du lore héritage du monde. Ouais, c'est parti. On n'a pas le temps, j'ai dit. Choisi par l'héritage du monde. Les dirigeants de cette étoile n'étaient pas humains. Ce monde était dirigé par cette forme de vie mécanique connue sous le nom de Mech Chevalier. Et à travers le pays, les crawlers qui constituent leur garde avançaient. Ces crawlers forment des essaims qui détruisent toute structure humaine sur leur passage. Ils n'ont probablement aucune émotion. Impuissante face à ces machines impitoyables, l'humanité n'avait d'autre choix que de vivre cachée. Les arbres sont denses et il fait sombre, même en plein jour, dans cette terre reculée appelée Forêt des Étoiles. Et déjà, il y a pas mal d'incohérences. Donc, Forêt des Étoiles, le vrai nom, c'est Forêt Céleste. C'est pas grave. Ici se trouve un village caché où les humains vivent en toute discrétion. Ça, c'est vrai. Alors qu'avant, tout ce qui a été dit avec les crawlers et les mecs chevaliers, c'était faux, mais j'expliquerai pas. Les visages des adultes qui y vivaient étaient tous plus tristes les uns que les autres. Cela n'a rien d'étonnant. Ils passaient toute leur vie cachés dans ces bois sombres. Et la plupart ne quittaient jamais le hameau. Des générations entières avaient traversé les années de cette façon et avaient fini par accepter leur destin. Alors ça me plaît, ça. Je prends note. J'avais voulu savoir combien de temps s'était écoulé depuis qu'ils étaient dans la forêt. Donc des générations entières. En vrai, deux. Vous voyez les incohérences que j'ai avec ce que moi j'avais compris. Au cœur de cette période difficile, deux jeunes hommes prirent l'initiative d'affronter ces crawlers. Pas du tout. C'est pas du tout. Oram et Ningirsu.
Ils avaient une raison de se battre aussi éperdument. Ib, la prêtresse du village et petite sœur de Ningirsu, elle apprenti, mais c'est pas grave. Grâce à cette baguette rituelle transmise de génération en génération, Ib avait créé une puissante barrière qui protège encore le village à ce jour. Alors c'est pas elle qui l'a créé, c'est son ancêtre. Enfin son ancêtre. Le prêtre précédent. Enfin, vous avez compris. Cependant, chaque jour, la menace des crawlers pesait sur la prêtresse. Non. Non, c'est pas la prêtresse, c'est le village. Ah, oh, je vais être chiant, je crois, dans ce lore. Les deux héros tenaient à réconforter Ib à tout prix, pour son courage et sa bravoure. Oram et Ningirsu, accompagnés du bébé dragon Imduk, traversèrent la barrière déterminés à terrasser autant de crawlers que possible. Ça fait mal. Ils sont pas en mode, allez, on va se taper des crawlers, c'est trop bien, la menace qui a failli, enfin, bref. Pas spoiler non plus. Un jour, Ib entendit quelque chose venant de la forêt. Un bruit sourd ressemblant à une voix humaine. Oram et Ningirsu ne l'entendaient pas. Pourtant, Ib affirmait qu'elle entendait cette voix. Inquiète à l'idée qu'Ib s'aventure seul dans la forêt, Oram, Ningirsu et Imduk s'avancèrent dans l'arrière-pays. Alors, je sais pas s'ils en parlent, mais Imduk, pour le village, est considéré comme le gardien des prêtres. C'est pour ça qu'il accompagne Ib. Et c'est aussi le meilleur ami, enfin c'est plus l'animal de compagnie de Oram parce qu'ils sont très souvent ensemble. Mais bon, je ferme la parenthèse là-dessus. Alors sinon, grosse incohérence, les crawlers, c'est pas l'armée des mecs chevaliers. Pas du tout. Ils sont arrivés après une sorte de grande catastrophe. Donc je vais pas en dire plus parce qu'ils vont en parler en deuxième partie. C'est la deuxième partie qui raconte cette histoire. Les mecs chevaliers finissent par gouverner la planète en maître. Hein, vous avez compris. Mais les crawlers, ils sont arrivés juste après. Ils sont pas créés par les mecs chevaliers. Ils sont juste là par hasard. Mais bon. Je pense qu'ils expliqueront plus tard dans le scénario ce qui se passe vraiment avec les crawlers. Puisque normalement la bataille avec les crawlers devrait avoir lieu dans cette partie. Alors, il n'y a rien d'autre à dire, ok. Donc ils sont partis combattre les crawlers d'après cette version là. Le soleil s'était déjà couché, ne laissant que la lumière des étoiles pour les guider. Le parfum des arbres et de la terre restait suspendu dans l'air frais. Bien que ses pas soient incertains, Ib s'aventura dans la forêt comme si elle était guidée. Soucieux de ne pas la perdre de vue, ses trois compagnons la suivaient, en restant à l'affût des crawlers. Soudain, en poussant un cri abrupt, Ib disparut sous leurs yeux. Disparut. Se précipitant vers l'endroit où ils l'avaient perdu de vue, ils constatèrent qu'elle était tombée d'une falaise. Apparemment, Ib avait été si envoûté par la voix qu'elle n'avait pas remarqué le vide sous ses pieds. Elle a disparu. J'adore quand ils ont fait ça. Elle a disparu. Ils ont fait deux pas, elle est tombée dans un trou. Les trois héros descendirent au pied de la falaise et furent rassurés de trouver Ib sain et sauve. Vraiment à ça la carte. C'est vrai que mon livre est vert. Bon, il y a toutes les cartes du lore là-dedans. Pour vérifier. J'ai du mal à penser qu'elle s'est cassée la gueule en fait. C'est possible, hein. J'ai pas fait attention. Hein. Ce que j'ai retenu, c'est qu'ils ont fait cette découverte. Mais pas dans quelles circonstances ils l'ont fait, hein. Peut-être que je la rajouterai. Hein. Sous leurs yeux, une mystérieuse structure apparut. Non, elle était toujours là, mais c'est pas grave.
S'il avait été là avant, il l'aurait remarqué. Pourtant, cette structure semblait remonter à plusieurs siècles, car elle était encerclée par des arbres et recouverte de lierre. Ils s'approchèrent nerveusement du bâtiment. La baguette qu'Ib tenait dans la main se mit à briller, et le bâtiment se mit à trembler, comme s'il réagissait. Une puissante lumière jaillit du bâtiment, écartant les arbres et recouvrant tout d'une lumière aveuglante. C'est le calice qui se réveille. La lumière traversant sans relâche leurs paupières fermées finit par converger. Quand ils rouvrirent enfin les yeux, une fée flottait dans les airs face à eux. Putain, ils l'ont bien retransmis. Alors, point spoil, retenez juste ce qu'elle tient ici et là. Les deux petites barrettes ici. C'est un indice pour... Ouais, c'est que vous devez les retenir pendant longtemps parce que c'est la deuxième partie qu'on a une révélation là-dessus. Lassie s'adressa au groupe stupéfait. Je suis Lily, la fée du calice du monde. Un esprit enfermé dans le bâtiment qui a libéré cette lumière vive. L'héritage du monde connu sous le nom de calice du monde. Alors, point parenthèse, si vous voulez aussi que je fasse justement le projet Héritage du Monde, si vous voulez que je fasse aussi les voix des personnages, parce que dans ma version, il va y avoir beaucoup de dialogues, n'hésitez pas à me prévenir. Soit je les fais en mode lecteur classique, soit j'essaye de faire les voix, mais ça va être difficile pour moi de faire un modificateur de voix ou quoi que ce soit, comme je le fais dans mes let's play généralement, comme vous verrez. Autrefois, il était de son devoir de guider l'humanité, mais elle avait été freinée par les mecs chevaliers. Alors c'est pas faux. Mais elle guidait pas l'humanité. Hein. Enfin, elle guidait l'humanité. Ok, j'ai compris le d'où ils voulaient. Ah, c'est pas mal fait quand même, ils ont frappé des trucs quand même. Pendant de nombreuses années, elle avait attendu la venue d'un héros du monde capable d'activer le calice du monde. Et... fin, voilà, c'est fini. C'était eux, les héros du monde. S'il vous plaît, accordez-moi votre force. Rassemblez la lumière dispersée des étoiles et soulevez le monde des grandes ténèbres qui l'accablent, implora-t-elle. Les grandes ténèbres, oui, ils en parlent sans plus, mais ouais. Il y a peut-être une petite intro à faire avant, hein, parler des grandes ténèbres. Ouais, il y a beaucoup de points lore qui manquent. Mais les grandes ténèbres, voilà, faut le retenir. Je crois que les grandes ténèbres, ça n'a rien à voir avec les mecs chevaliers. Donc ça va être plus grave que vous pouvez m'imaginer. Oh putain, le spoil, c'est pas bien. Bouleversés par l'histoire de Lee, Oram et son groupe furent touchés par sa sincérité et décidèrent de lui venir en aide. Lee était reconnaissante et leur offrit la puissance du calice du monde pour qu'ils puissent s'en servir durant leur aventure. Alors, oui, mais non. Ok, parenthèse. Lee apprend à Ib à utiliser le pouvoir du calice pour leur donner cette forme et la puissance qui va avec. C'est Ib qui utilise les pouvoirs du calice, c'est pas Lee. Et ça, c'est important. Pour comprendre ce qui se passe à la fin de la première partie, faut comprendre que c'est Ib qui possède les pouvoirs du calice. Et non pas Lee qui leur apprend, comme qui leur donne le pouvoir. Alors, il faut se familiariser avec le deck. Le deck qui a failli gagner un championnat de France à un magicien pendule près en 2018. Alors, c'est Oram et Ningirsu. Ou ce que j'appelle le Girsu tout court. Il va en avoir des noms. Hein. De l'eau. Waouh, j'ai que les psys. Du lore. Ah, ok, Oram. Donc, Oram, c'est le choisi du calice du monde.
Sachant que si vous voulez en savoir plus encore sur le lore, il y a la description dans parmi les monstres normaux. Quand c'est un lore qui va être en plusieurs parties, généralement les monstres normaux racontent le début d'aventure. Et certaines autres créatures d'autres archétypes racontent un peu du master, master guide. Ok, il me duque en mode bénir. Voilà, j'ai plus de lien. Invoquer un autre monstre en utilisant l'effet de Imduk. Invoquer couronné. De succès. Alors, c'est passif, très bien. Non, c'est pas passif. Je comprends pas. Alors, Oram. Il faut savoir que c'est la ligne 3 qui va nous intéresser hein, dans cet archétype. Yo, Mercure! T'as vu, regarde, je fais l'héritage du monde pour l'instant. Vous avez envoyé Imduk, le dragon du calice du monde au cimetière. Alors utilisez son effet pour invoquer spécialement un monstre du calice du monde depuis votre main. Oui. Appelé par le calice du monde. Attaquez directement le liste point de votre adversaire. Oui, c'est vrai. C'est tout. Mais non, mais c'est la ligne 3 là. Tapez. J'ai stoppé l'invasion crawler alors qu'il n'y avait pas d'ennemis. C'est pas facile. Suite du logo. Bon, j'ai pas besoin de poser la question à Mercure, lui il veut. Hein. Parce que même parmi ceux que je connais de la communauté de la boutique, il y en a certains qui attendent justement que je fasse la travers les cartes consacrées à l'héritage du monde. Donc lui voilà. Vote pour. Dudu contre crawler. Lorsque le monstre crawler face recto quitte le terrain, par l'effet de l'adversaire, de nouveaux crawlers sont invoqués spécialement par des effets. Visez l'état de la position de défense de l'adverso et si le monstre est face recto, détruisez-le au combat. Oui. Oui, monsieur. Ne surtout pas détruire par des effets. C'est aussi simple que ça. Pour l'instant, c'est aussi simple que ça. Ouais! J'ai un mind control. Alors, si vous êtes de monstres qui se demandent dans votre cimetière, nous vivons ajouter là à votre main. Super, j'ai pas grand chose. Hein. Touchdown. Donc, j'ai obligé de faire contrôle mental. Invoque sacrifice. Forêt. Non. Non. Nien. Pioche. Je m'en fous de Raiziki. Attends, je peux le sacrifier? Non, je peux pas être sacrifié. Rien y penser. Ok. Bon, je suis obligé de jouer comme ça. Tout le monde. Non, on va une phase, on va attendre. La Raigeki, il a boxé 12. C'est quoi ça? Insecte rugissant. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous invoquez spécialement un monstre de type insecte avec maximum 1500 d'attaque et tout votre deck. Non. Non. Dis donc, c'est vachement. Non. Par le calice du monde, très bien. Voilà. Battle. Faut que je tue le crawler au combat, c'est important. Nulé. Sanglier. La mâche tête. Ah, j'ai perdu. Ah, c'était vachement. Ah, c'est vachement intéressant. Après un monstre insecte face recto, il est trop combat ou par un effet de carte, un voyou cimetière, son contrôleur peut ajouter un monstre insecte du même niveau à sa main. Oh, c'est super! En gros, je suis vraiment dans la merde. Ah, notre crawler! C'est celui-là, attends. Ah, oui, pas le choix.
C'est un peu loose, hein, on va juste jouer pour le fun. Hein. C'est quand tu quittes le terrain, je crois que c'était quand tu les détruisais. Aïe. C'est la dévadande, il me reste 500 PV, une carte face cachée qui doit être un sanglier de chargé, j'ai perdu quoi. Ah, ok, spécialement un jeton de sécurité. Merde, vachement. Donc, dans l'ordre, on va faire une grosse connerie, hein, bah, cool, insecte. Allez! On les rajoute plein de sanctuaires verdoyants, ouais! Encore! En gros, je vais le faire perdre au deck, quoi. On a le crawler détruit un monstre, je veux dire, je peux pas l'immuniser contre quoi que ce soit. Y'a rien du tout. Épine crawler pour essayer un monstre sur le terrain. Allez, hop, on se run. Y'a aucun intérêt de continuer. J'ai déjà perdu depuis deux tours. Mais quelle idée de me faire commencer avec Monster Reborn, Reborn double truc. Le seul monstre que j'arrive enfin à invoquer, il se fait défoncer par un sanglier chargé. C'est beau. Et je peux pas les détruire au combat, c'est pas la peine. Enfin, ouais. Bon, je prends d'autres aussi. Ah bah voilà, des imprévus. Pourquoi je l'avais pas au début? Alors, ok, non, on va le garder au cas de top deck. Par contre, le plus faible. Hop, 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 hop au pied. Peut-être trop tôt, mais c'est pas grave. Je peux passer directement en ligne que 3 ou est-ce que le type et l'attribut ne peut ni être au combat ni par le vecteur lié, ça doit être lié. Ça, on ne peut pas cibler cette carte avec le vecteur. Si plusieurs monstres pointés par cette carte vont être détruits par un effet de carte, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière. Les cartes au cimetière de près. Voyez depuis le terrain au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre calice du monde depuis votre main. Et le Gersu qui me passe. Deux monstres ou plus qui sont liens tous les deux. Les cartes invoquées par lien piochez un nombre de cartes égal au nombre de monstres calice du monde pointé par cette carte. Vous pouvez utiliser cet effet d'une Gersu le guerrier du calice une fois par tour. Une fois par tour, vous pouvez envoyer une carte du terrain de chaque joueur au cimetière. Cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre du nom du pilote. Déjà, je suis obligé de partir sur Oram. Tac tac, je refais un Induc. Pas trop le choix. Pas lien. Merde, il est pas lien, non. Annulé. J'ai trompé. Normal. Il servira comme sacrifice, c'est pas grave. Pas encore perdu. Gersu. Là, si je pouvais avoir mon Reborn, ça serait parfait. C'est que j'ai contrôle mental de mes couilles. Putain, mais ils sont chiants en fait les. Ouais. Ouais.
Techniquement, je suis pas mal. Ah, oh. Fait de l'étranger, c'est très bien ça aussi. Battle. Allez, envoie ton crawler. Non, c'est pas un crawler. Des cartes advantage. Une phase 2. Set down. Il me manque Ib, c'est ça. Et Ib, c'est un XP avec deux monstres types et d'attributs différents. Donc j'ai un dragon. Je vais avoir un guerrier. Une magicienne. Ah putain, c'est vrai que Gersu, il a. Il a pas ce qu'il faut. Ah, j'ai deux dragons. Tac, tac, je peux pas invoquer Ib. Chier. Alors, Ram, il est Link 2. Je vais faire Link 2. Invoque. Effet, invoque Gersu. Ça fait du Lily. Là, on est sur quoi? On est sur un dragon. J'ai que du dragon, tu te fous de ma gueule? Ça, tu veux dire que je vais devoir faire Link 2. Oram. Invoque Spegirsu. C'est Ip qui me faut. Hein. Réfléchis. Je peux invoquer Spear, donc c'est normal. On va partir sur ça. Oram. Oram. Oram, comme ça j'aurai Gersu et C'était prêt pour demain. Non. Je suis pas prêt pour demain. WinOTS. Les cartes envoyées au cimetière pour invoquer spécialement un monstre qualité du monde depuis autre main. Sans des places après. Nope. Yep là. Ici. Activer l'effet de Imduk. Avox P. Guerrier. No. Link 2. Ib. Colède, récupère Gersu. Je peux renvoyer deux, mais c'est bon. Battle. Enculé. C'est le PTNT. Pas grave, elle peut pas être détruite. Tout ça pour ça, quoi. Yosh, doc. Ça va, putain! Sérieux? Fous-moi la paix! Pas attaquer, c'est ça? Je peux pas attaquer. Mais est-ce que j'ai des trucs pour pallier 2000 points de mes couilles là? Non, j'ai pas. Hein. J'ai une 2005 qui l'a niqué facilement. Ouais. Ça me gonfle. Carte à rajouter à votre main. C'est vrai que j'ai ça aussi. J'ai besoin d'un Gersu. Pouloulouloulou.
Hein, voilà. Araka qui est là aussi. Ouais, ben, ça pue. Hein. Je peux pas invoquer SP. Ouais, dans la zone pointée par un monstre lien, mais regarde mes monstres liens, bordel. Ah, oh, c'est la loose. C'est super. Avec mes 8. C'est lui la carte envoyée au cimetière. Et c'est la loose. Sur un coup de pute crawler plus forêt plus puissance. En gros mon garçon je l'ai rendu tellement vulnérable. Il me faut un Oram encore. Bon ça va, le jeu est sympa là. Envoyez les monstres au cimetière pour arriver. Cœur passerait plutôt invoquer normalement quitte le terrain, vous pouvez invoquer spécialement deux monstres quasiment depuis votre deck. Un tour de mana sur ce tour avec un. Je vais bannir cette carte, ajouter une carte héritage du monde. Oui, mais j'ai pas de magie héritage du monde. Il me faut ça. Il y a un crawler de merde là. Le top deck Raigeki pour me casser les couilles. Mind control encore. Mind control. Et moi mon ami, je peux changer la position de combat de ton crawler là. Donne. Je veux. Tiens. Et prends ça dans ta gueule. Fais pas le débile. Invoque. Attaque. Donc il faut Oram, une duc. Oram c'est deux monstres qualifiés du monde. Et l'autre c'est deux monstres de type et d'attributs différents. Un monstre normal j'ai tombé. Bien chiant. Hein. J'ai besoin et d'Oram. Tu. Carte à cibler, lui. 7000 PV quand même. Dégage. Je veux récupérer mon Girsou qui est là. Ah non, tu peux pas me faire ça. Ça devrait pas marcher. Ah. Tant pis. Mon plan a marché à moitié. Encore faire ça comme ça. Et forcer à mettre une rondette, mais je peux pas attaquer avec. Que si je fais l'effet, je fais péter, il va invoquer des crawlers. Donc autant qu'il se mette en def. Voilà, ouais. Mets-toi en def. Bon, mon Girsou il est bon. On va voir la magie qui ravoque fait 2. Il va pas réfléchir. On peut réfléchir. Dans le détruit le combat au quai de terrain à cause d'un effet de carte. Vous pouvez cibler un monstre qualifié du monde dans votre cimetière, vous cliquez spécialement en position de défense. Donc, Je l'ai activé comme un gros débile.
On va faire comme ça, hein. Faire un move pool infini. Un Vox P. Effet tuto. Calice. Effet. Wally. Un Vox P Girsou. Girsou. Là, Girsou. Là je peux péter deux cartes et on va pas s'amuser à faire ça. On va battre. Alors lui va péter lui. Maintenant que j'ai de l'attaque, je vais pouvoir tenter de péter lui. Mais évidemment, ça pète des monstres. Mais c'est pas grave, j'ai les trucs qu'il faut. On va pas le faire tout de suite. Girsou. Lui un Vox P. Enfin, je pourrais. Hein. Je pourrais. Oui, tu dois jouer demain, c'est obligé. Non. Regarde pas le chat. Putain, mais sérieux, je suis concentré à mort, qu'est-ce qui se passe? Je pensais vous discuter entre vous. Bon, est-ce que, quand est-ce que je stream sur l'Ostar? Je sais pas pourquoi. Et tu viens dans la guilde, tu es déjà. Sur quel serveur alors, pour ta question, Araka, quand elle répond aux questions. Vous avez donné un serveur sur le Discord, c'était pas le bon, j'avais fait un bon perso, j'avais travaillé dessus et tout. Malheureusement, j'ai découvert que vous avez changé de serveur parce que la liste d'attente de 6000 personnes, ça vous a cassé les couilles. Et du coup, je suis dans l'autre serveur et discrètement, t'as pas remarqué, mais ça fait depuis lundi que j'ai un perso sur ce qui est séparable. Quiconque est centré. Demain, je ne joue pas. Par des OTS de merde. Ouais, je vais invoquer Calice du monde. En position d'attaque de stricto. J'invoque Girsou. En position de défense. Une phase 2. Non, plutôt une phase. Donc j'ai un Girsou à 300 de def. Je veux qu'il passe mieux en mode attaque, il me reste pas mis payé. Il réfléchit. Non, mais je m'en fous de gagner des PV. Réfléchis. Allez, on se dépêche là. J'ai plus que passer à faire. Et c'est tout. Passion en attaque. Non, il a le sanglier. Une phase, ok. Ok, je le passe pas en fait, lui. On va le passer. Balisez un monstre héritage du monde depuis votre main ou passe recto depuis votre terrain, puis ciblez deux monstres dans votre cimetière, vous calez spécialement. Ils ne peuvent pas attaquer ce tout. Par là. Alors lui il dégage. Comme ça le Girsou il revient. Hop. Lui je le passe en attaque. Lee. Ça ça dégage. Et tu reviens en main. Norme. Et Feli. Récupère Imduc. Et fait petite merde. Je vais détruire ça. Je vais détruire la carte face cachée, on sait jamais. Je sais pas ce que c'est, mais ça pouvait être dangereux. Battle. Je défonce ça. Merci. Je défonce ton crawler. Oh, c'est qu'un Vox P, putain. Une MP. Rajoute deux crawlers à la main. Pourquoi pas. Ok. Y'a pas de soucis. Down. Une phase. Il passe en attaque, il go aussi. Eh hey, tricheur, t'en joues plusieurs, t'as pas le droit. Le plumeau de Danarty. Il vient de péter une carte qu'il faut pas en fait. Super. Norme. Effet. On va faire notre armée, je suis un peu con. Non, je sais que je suis un peu con.
va chercher. Non! Je le voulais là! Pourquoi je peux pas le mettre là? Pourquoi je peux pas le mettre là? C'est débile! Bon. Je sais plus du tout combien ils ont de. J'ai une armée. Là, tuto 2, c'est pas grave. Dont un qui va aller là. Pourquoi pas. 2006, hein, j'aurais peut-être pu. Me désinguer. Hein. J'aurais pu. 200 PV. On touche à rien. Là on joue pour le kill, c'est sûr. Hop. Dispositif, ça sert à rien contre lui, on le sait. Comme le kill il arrive, on met les dingues. Battle, on réfléchit pas. Épine. Garçon. Et aucune carte. Non, on s'en fout, j'ai le kill, hein. On va le tuer. Je permets pas d'activer des effets, donc j'oublie souvent. Bon, j'ai joué n'importe comment, comme d'habitude. Allez, il faut qu'on avance. Un gros point histoire va arriver. Super, je chope tous les héritages du monde. Je pense que je vais faire ça et ça, et après je vais faire un peu de PVP en attendant. Comme ça, on finit l'histoire. Pour protéger l'humanité, après avoir accepté l'offrande de Lee, Oram et son groupe promirent de l'aider. Accompagné par Lee, le groupe se remit en route pour le village, mais dut faire face à plusieurs crawlers qui leur barraient la route. Oram, Ningirsu et Imduk se positionnèrent devant Ib et Lee, vigilants, prêts à combattre. Ah d'accord, ils ont mis la fée et la jeune prêtresse en première ligne. Ah ouais, c'est pas la même, hein. Même s'ils avaient affronté ces crawlers de nombreuses fois, la tension était palpable. Une goutte de sueur froide s'écoula du menton d'Oram et humidifia le sol de la forêt. Ah ouais, une seule goutte d'Oram et voilà. Alors que la tension était à son comble, le groupe se rua sur l'ennemi, fonçant sur les exosquelettes des crawlers. Oram tranchait habilement avec son épée, Ningirsu perçait agilement avec sa lance, et Imduk déchirait la cuirasse métallique des créatures avec ses griffes. Le combat s'arrêta aussi soudainement qu'il avait commencé. Le pouvoir du calice du monde octroyé par Lee était bien plus imposant que prévu. Ils ne pouvaient contenir leur surprise devant la puissance du calice du monde, qui coulait désormais dans leurs veines. D'après Lee, il existe 6 autres héritages du monde à travers le globe, dont la puissance égale celle du calice du monde. S'ils étaient retrouvés, il serait alors possible non seulement de détruire les crawlers, mais aussi de détruire les mecs chevaliers qui régnaient sur le monde. Cette information fut une véritable lueur d'espoir pour les villageois ayant vécu si longtemps dans la forêt lugubre. Elle a eu 50 000 noms cette forêt, c'est incroyable. Écoutant les paroles de Lee et guidés par le calice du monde, les jeunes de la forêt des étoiles partirent à l'aventure dans le but de trouver un autre héritage du monde. On voit pas la grosse balise. Parce que la calice émet une lumière en direction du prochain héritage du monde. Et évidemment, ils vont pas tomber sur n'importe quel héritage du monde. Parce que cela va arrêter l'une des deux grandes menaces de ce monde. Les crawlers. Alors comment ils ont présenté ça du coup? Ainsi commença le voyage d'Oram et de son groupe à la recherche de l'héritage du monde. Même s'ils étaient en mission pour sauver le monde, la première fois qu'ils mirent le pied dans le monde extérieur, tout ce qu'ils voyaient et entendaient leur paraissait nouveau et saisissant. En gros,
gros, c'est le Mordor, hein, y'a pas... Ils voient le Mordor et ils sont waouh, c'est nouveau ça, y'a pas d'art. Ils vont très clair. Hein. Ils rencontrèrent de nombreux crawlers en chemin, mais grâce au pouvoir du calife du monde, leur voyage pouvait continuer sans trop de difficultés. Combien de temps ont-ils marché en suivant la lumière de Lys et du calice du monde? Un vent humide caressa leurs joues. Putain, c'est quoi ces éponges? Les gouttes de sueur d'Oram. Le vent est humide. Ça va, c'est la toundra. Hein. Le groupe se trouvait devant un immense marécage. Ah bon? C'est une première! Donc ils sont dans les marais. Un artefact remarquable était immergé dans l'étendue vaseuse, l'armure géante se trouvant dans le marais. Ouais. C'était l'un des objectifs de cette aventure. L'héritage du monde appelé armure du monde. J'arrive, je me connecte sur mon PC. Cependant, l'armure du monde n'était pas la seule chose qui les attendait. À la surface de l'armure, ainsi qu'à l'intérieur de celle-ci, grouillaient des silhouettes sombres. Comme des fourmis sur le cadavre d'un insecte, les crawlers pullulaient sur l'armure du monde. Oui, comme des fourmis, ça c'est bien. Exactement ça, des fourmis. Des fourmis bien plus gros et mécaniques. C'est... voilà. Il y en avait un nombre incalculable. Une lumière étrange jaillit d'un monocle rouge, remplissant le champ de vision du groupe. L'horrible bruit des cuirasses métalliques des crawlers, se frottant les unes aux autres, était une cacophonie retentissante, comme si la terre s'était mise à trembler. Il s'agissait de spécimens supérieurs, bien plus puissants que les crawlers qu'ils avaient rencontrés jusqu'ici. Face à cette vision écrasante, le groupe pensa qu'il était dangereux de tenter une percée par l'avant. Ils décidèrent donc de s'approcher de l'armure du monde tout en évitant les crawlers. Je me rends compte qu'il manque beaucoup de chapitres en fait. Donc il y a la suite qui est quelque part, je sais pas où. On verra après. Que vous éliminiez le monstre lien crawler par un effet au combat, l'effet de l'invocation spéciale de deux monstres crawlers dans les cimetières est activé. Pour éviter cela, utilisez des tactiques telles que la destruction de magie de terrain, ombre de l'héritage du monde, la désactivation de l'invocation par lien elle-même. Ou alors tu utilises Colette by the Grave, mais j'imagine que c'est trop fort pour que je puisse le jouer. Allez, c'est parti. Ouais, que des cartes. Oui, un seigneur, voilà, un seigneur de la suppression. C'est exactement le même combat. Et du coup, j'ai encore moins de bonnes cartes. Choisis contre un contre une 1008. Waouh. Je tente de me battre. À l'attaque. Oh, c'est passé. Wow. Une phase 2. Step down. Une phase. Au titre du jeu, un monstre de type 27 de vieux cimetière, sectionner un monstre contre vos adversaires, détruisez le monstre. Bien. Va chercher. Et on défend. C'est bien. Ça me plaît. Appelé, très bien. On va rester tranquille pour l'instant. Non. Allez donc, le deck est plus évolué et pourtant tranquille. Quand ça va vraiment commencer que ça va partir en coup.
Très bien. Bah, il est mort. Putain, il était... Ah, c'était chaud, chaud, chaud. On sait jamais. On a un peu loin. Je sais pas ce que ça fait d'avoir bric en main. Bon, bah voilà. On a fini les deux premiers chapitres pour moi. Techniquement. Donc je finis ce soir pour l'instant le mode solo avec ça. Avec les révélations finales et... L'armure du monde était devant leurs yeux, mais le groupe d'Oram se retrouva bloqué par une nuée de crawlers. Peu importe le nombre de monstres qu'ils terrassaient, une nouvelle horde apparaissait piétinant les restes des crawlers tombés au combat. Le groupe désormais dispersé était en difficulté. Ses membres étaient épuisés par ce combat qui semblait interminable. Ils étaient incapables d'avancer et il leur serait bientôt impossible de battre en retraite. Ils n'avaient d'autre choix que de se battre jusqu'à l'épuisement. Soudain, alors qu'Oram et son groupe étaient sur le point de s'effondrer, Lee s'adressa à eux en venant à bout du X-Crawler supérieur. Venant à bout du X-Crawler supérieur, vous devriez pouvoir arrêter le mouvement des autres crawlers. Alors que déjà, il y a déjà ça. Auto. Hein. Pendant le combat, Lee avait découvert que le X-Crawler était à la tête des autres crawlers. Faisant confiance à Lee, alors que Doc a encore 2 heures de retard par rapport aux autres. Faisant confiance à Lee, le groupe brisa le siège pour se rapprocher du X-Crawler. Celui-ci résista forcément, mais les membres du groupe concentrèrent leurs dernières forces pour en venir à bout. Au moment où le combat s'effondra, la nuée de crawlers qui encerclait le groupe arrêta soudainement de bouger. Grièvement blessé, Oram et son groupe arrivèrent enfin sous l'armure du monde, mais ils n'y trouvèrent pas que les crawlers. Parce que c'était l'armure du monde là-bas? Ça y ressemble pas trop, hein. C'est sur une colline. Des trucs volants par contre, j'ai pas trop... Non, c'est des crawlers, normalement. 7 rayons de lumière colorée se mirent à briller soudainement depuis les cieux. Les 7 chevaliers firent leur apparition. Leur corps brillait d'une lumière métallique, chacun émettant une couleur de l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, c'est... On va le voir très souvent dans ce lore. Vous avez vu, l'armure est rouge et le calice du monde est cyan. Non, il n'est pas cyan, il est bleu. Je crois que c'est un bleu indigo. Plus de passion, c'est le narrateur. Eh ben, t'as qu'à faire partie du groupe qui veulent que je fasse la présentation d'héritage du monde, puis ce sera bon. Parce que là, c'est la version Master Duel. Hein. Allez, on reprend. Les mecs chevaliers qui dominaient l'humanité et la totalité du monde étaient maintenant descendus pour le visiter. Mais ils ont toujours été dans ce monde! Ils sont pas descendus! Ils se sont littéralement téléportés parce qu'il se passe un truc chelou au niveau de l'armure! Pardon. Bien qu'ils aient une apparence humaine, il semblait impossible de communiquer avec eux par les mots. Et ils n'avaient de toute évidence rien d'humain. Alors qu'Oram et son groupe tremblaient devant eux, incapables de prendre la parole, les chevaliers tendirent les mains en silence. À cet instant, leurs mains se mirent à générer un champ de force qui enveloppa Ib. Ib était épuisé, ou plutôt complètement exténué. La barrière magique générée par Ib ne pouvait pas résister au champ de force. Le reste du groupe tenta désespérément de secourir Ib. Cependant, Ib et les 7 chevaliers disparurent sans laisser de traces, dans une lumière semblable à celle qui les avait vus auparavant. Apparaître. Lee les avait prévenus du danger encouru si la baguette d'Ib venait à être volée et si les autres héritages du monde venaient à tomber entre les mauvaises mains. Je vais vérifier un truc parce que... Il y a quand même des petits points là qu'on voit très bien avec le jeu. Vous
Le fait que Id ait un grand sourire. Pardon, que Lee ait un grand sourire. Vous avez pas remarqué. C'est vrai que petit à petit, les lumières de Lee commençaient à sombrir au fur et à mesure. Moi aussi, j'avais pas remarqué. On était sur cette carte aussi, à vous. Ram et ses compagnons se mirent en route pour sauver Id et mettre la main sur le prochain héritage du monde. Tada! Wouah! Voulez-vous aller au magasin? J'irai juste après. Voilà, du coup, je vais m'arrêter là pour l'instant pour l'héritage du monde. Je remonterai à Doc parce qu'il est arrivé juste après tout le monde. Que je ne peux pas faire ce qu'ils veulent. L'étage du monde est en deux parties, donc je récupère le don du martyr, donc la deuxième partie que je ferai la semaine prochaine. Donc choisi par l'héritage du monde, c'est les deux premiers chapitres. Et normalement, don du martyr, c'est les chapitres 3 et 4 qui met fin à la première grande partie, hein, c'est en deux grandes parties. Enfin, en tout cas, si je présente le héritage du monde, vous verrez que c'est comme ça que je vais présenter l'histoire. Je vais vous dire combien il y a de chapitres. 1, 2, 3, 4 du coup, 5, 6, 7, 7, allez 8 chapitres, parce qu'il y a la conclusion en fait, et il y a l'intro, qui n'est pas, il n'est pas du tout dans celui-là, donc ouais, il y a à peu près 9 grands chapitres, divisés en deux grandes parties, plus quelques points lore pour l'intro et la finale, et aussi un moment où je donne quelques détails supplémentaires, ce que j'avais prévu normalement dans mon projet. Donc encore une fois, si vous voulez vraiment que je fasse la présentation dans un à travers les cartes, n'hésitez pas à me prévenir. En tout cas, il y aura pas mal de différences par rapport à la version de Master Duel, ça c'est sûr. Et évidemment, je vais essayer de finir quand même cette première partie parce qu'il y a quand même des détails sur les cartes que j'avais pas remarqué. D'ailleurs voilà, c'est surtout ça que vous voyez au niveau du truc. Donc là, on voit bien que ça ressemble à des marais. Parce que de loin, ça ressemble plus à un sol, un truc stérile à la Mordor avec des ruines d'immeubles. Mais ça, ils n'expliquent pas encore pourquoi il y a des immeubles en ruine de partout. Ils expliquent juste que l'humanité est sous la joue des mecs chevaliers qui dominent le monde. C'est vrai et c'est faux à la fois. Mais ils n'ont pas encore expliqué que ça, ces ruines-là, c'est pour une bonne raison. Et ça, c'est parce que c'est en deuxième partie que ça explique. Mais normalement, ils auraient peut-être dû déjà expliquer ce qui se passe. Ah bah si, je peux faire les défis finalement. Parce que l'explication, Doc, avant de faire l'héritage du monde, je ne pouvais pas faire le défi, puisqu'il faut faire, fallait faire ça, justement, bah, la première partie, je pensais qu'il fallait faire les deux parties. Et fallait faire les dinosaures à vapeur des terres inexplorées, que j'avais déjà fait, donc ça c'est cool. Donc, ok, à voir si j'ai le temps. Je dis pas encore je vais le faire, mais voir si j'ai le temps, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans celui-là, du coup? Ah bah, on a à peu près un peu de tout, là. On a du crawler. Alors ça, c'est le chapitre 4, les chevaliers de cauchemar. On a le chapitre 3 avec... Il y a du gros spoil, hein. Les mecs chevaliers. On a notamment étoiles du matin et les immeubles qui sont en feu. Donc, gros spoil. On a Ibli. Ah, c'est normal. Et on a du Croisédia. Ah non, c'est pas du... c'est du Croisédia, ça, normalement. Mémoire et étage du monde, c'est Croisédia. Ça, c'est la deuxième partie. Ah! Allez, gros spoil. Attention, spoil! Vous vous souvenez quand je vous ai dit de faire attention aux barrettes de Lee? Je sais pas si on peut la, si on peut la voir, les deux petits trucs qu'elle avait sur les côtés, là. On peut les retrouver sur un des personnages qui est sur cette carte. Mais ça c'est un gros spoil, faites attention. Ouais, les survivants de l'héritage du monde. C'est le fameux crawler qui leur fait face en plus. Mais bon, ouais, il va y avoir pas mal de différences hein, quand même entre ma version et la leur. Comme quoi, on a chacun sa version. Du coup, je vais devoir faire du mode classique quand même. Je vais me faire ça. Je vais faire quelques openings évidemment.
Et là, il va être 22h. Donc là, avant de refaire du mode solo, je veux passer niveau 55 ici. Je veux que ça soit à 55. Tant que c'est pas à 55, je continuerai de faire du classique. Mais avant toute chose, le shop. On va voir juste un pack. Toujours des packs classiques, hein. On n'a rien à foutre. Ouh là là, bah dis donc. Ah, ça me rappelle un live de Doc, il a pas eu ça lui. Il a eu rien du tout lui. Quoi? Dis donc, c'est en train de discuter CR là dans ce menu. Ah, j'arriverai pas à faire mieux que lui, regardez. Regardez ça. Il y a eu Borel Soir, les Dingersou dans le même pack. Pack de... Oh, il a eu le truc crawler. Le truc des niveaux 9. Enfin, ce crawler, c'est un truc niveau 9. Mais dans le lore, c'est un crawler. Un crawler chevalier de cauchemar. Un mélange des deux. C'est compliqué à expliquer, c'est dans le lore qu'il y a les deux. En fait. Bon, c'est parti. Ah, du prédaplante. Du tchou-tchou. Acteur des abysses. Un fractal, très bien. Prisme nécro-keep. On veut pas du tout. C'est pas du tout, c'est quoi? Je sais pas dans quel archétype c'est, mais bon. Blocage excise. Entraînement élémentaire, c'est du... Oui, c'est du élément sable. Dragon de l'âme aux yeux rouges. Sympa mon premier ultra. Hein. Une carte que... Pff, bah les couilles. Oh, un dangereux héros de la destinée, tiens. Spiritual Best. Challenger Heroic. Pleine Lune d'or, ok. Du Tree Brigade. Putain, il va falloir que je fasse Tree Brigade du coup. Allié de la justice, très bien. Vent béni, oh. Une carte qui m'a été offerte par Mercure. Ah, Dave. Du ninja, du gusto. Un prêt de bling bling, très bien. Oh! Je l'ai pas! Mercure, tu peux me l'offrir celui-là? Et lui il l'a chopé, il a... enfin il l'a chopé, il l'a eu à l'échange ou à l'achat. Le familier possédé, c'est la seule forme de dark que j'ai pas, ainsi que sa carte piège. Prophétie, tiens. Infernité, voilà, je cherchais le nom. Je l'avais, mais. Le magicien pendule, on va dire. Ça, c'est. Ah, c'est du rituel? Pour les monstres, je savais même plus que c'était les monstres tellement. Parce qu'il y a tellement de cartes qui lui ressemblent comme le Stadua. Il y a le même genre de lumière et tout. Ça se voit pas trop. On the next. Yosenju. Du zombie. Un roïde. Un bling bling. Un 6 samouraï. Ok. Le tracker psychique. Oh, du sub-terror. Ça me rappelle la dernière séance. Le chevalier coquillage. Ouh, il est beau celui-là. Ouh, il est beau. T'as vu la sortie du 10 mars? T'as vu au trade? Non, je l'ai pas vu. Moi, je sais qu'il y a... Il y a la réédition... de je sais plus, c'est... Vous allez me le dire. Il y a une réédition, je vais m'en prendre quelques packs que je vais les faire pour... la chaîne Utopia Rainbow, mais je sais plus le nom. Je sais qu'il y a pas mal d'archétypes que je vais pouvoir compléter comme ça, donc et même commencer à compléter aussi parce que j'en avais quasiment pas. Le trapèze, hein, ça c'est pour les entités. Je crois qu'on a une fusion qui est bannie, on a un Nexus qui est banni, donc dur de faire l'archétype pur. Hein. Du Traptrix, 76, pardon. J'en ai marre, moi, mes cartes Vimbling, c'est des trucs comme ça, arrêtez.
convergence. Hein. Calaculi. Danger. Ouf. Oh la calonne. Oh, ça fait du bien ça. Ça c'est bon. Ça je le garde de côté pour un... Merci Arsenal. Eden Arsenal en anglais. Merci. Eh ben, vous savez que il y aura une vidéo d'ouverture sur la chaîne Utopia Rainbow. Alors pour le prochain, de l'évolite, du monde souriant, maître dragon, du sabre X, des yeux millénaires, très bien, du Pegasus en haut. Cerbère bête mythique, oh là là, c'est pas un magicien pendule, c'est les bêtes mythiques non pendules. La coupe des as qu'on voit souvent, les Elcipher. Alors pas terrible celui-là. Elle est où, Trade ? Ouais, elle est chante. J'ai dit. Pas mal de trucs, des ailes noires, un héros extra, je l'ai pas en plus en vrai. Mars, agent de la force, sabre X, vipère de la victoire, Ariel Gishki, très bien. Putain, j'ai chopé tous les ultra rares de merde. Demoiselle de fortune, je n'ai pas d'ailleurs. Oh, voilà, la rare elle est largement mieux que l'ultra, c'est pas normal. Vous allez voir que mes cartes rares elles sont pas dégueu hein. Les ultra par Abkalon. Dédale. Putain. Je crois que je l'ai en 3. Structure psy. Mais voilà, ça c'est mieux déjà. Vous brossez, très bien. Requin à droite. Crash Spiral Spectre. Ouais. De l'artisan sorcière, très bien. Et du fossile, ok. Dragon des ruines. Voilà un Benten en super rare, ça c'est bien aussi. Même si je vais pas la jouer. Un héros du mal. Un Altargeist qui est utile en plus. Un ange déchu. Valkyrion, pourquoi pas. Une bête cristalline bling bling, pourquoi pas. Oh l'hôtesse incroyable. Je sais pas si c'est la seule qui me manque chez les incroyables. Je sais plus. Faut que je revoie sur. Ça j'ai énormément d'ultra par contre. Ça c'est cool d'avoir autant d'ultra, c'est cool. Du Yangzing en plus. Du Spiral Spectre. Eurovision. Alors ça serait bien de me mettre en collector parce que j'en ai marre d'avoir des trucs comme ça. J'ai qu'une seule carte collector. La preuve de Prufleur. Floraison. Singularité Evo. Oh, ça c'est bien. Ça je prends. Ça je prends. Oh la faux. Oh ça fait trop plaisir ça. Ah bah voilà. Voilà, on a l'Abkalon qui est bien. On a la faux qui est très bien. Niveau super rare, on a le Benten. Qui va servir au cas où j'ai envie de jouer du rituel comme ça. Pour un ABC, ça fait plaisir. Ça, si je joue un pendule au day, c'est bien. Surtout au niveau des rares. On a une Trap Tricks, on a Dédale. On a Fractal aussi. On est au niveau des rares, c'était pas mal quand même. Hein. Au niveau des communes. Oh, je me referais bien un autre petit pack. J'ai quand même vérifié déjà les packs secrètes que j'ai débloqués. Alors, une série sur les gâteaux. Non, les cerises dans les bennes, pardon. Donc, du fusion Red Day, tout ça, on veut pas, mais c'est dégueulasse. Oh, putain, juste que ça, quoi. Il vaut 30 balles. Les héros du mal, normalement. Les héros vision, héros extra. Non, c'est que héros de la destinée, extra. Donc, vision, extra, destinée. Je m'en rappelais plus, tiens. Tu sais que j'avais déjà débloqué ce pack-là. Celui-là, c'est les Chino-Barons, Chino-Baronnes, ouais, les Spirits. Et les Anges Cyber. Et il y a le double avatar aussi. Voilà, ça fait un petit rappel, ça aussi je l'avais déjà vu. Les trucs de la destinée, je ne me rappelais plus si je les avais. Donc les princesses de bonne aventure et les demoiselles de fortune. Et dis donc, qu'est-ce qu'il fout là lui? Ah c'est normal, faut regarder 5-10 pour comprendre pourquoi elle est là. Normalement elle devrait pas, mais.
Tu fais pas partie de... des esprits de la Terre immortelle normalement? Je pensais que t'étais dans le pack. Putain, il y a même. Pour cette prédiction, ça c'était rigolo à jouer à une époque. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, mais je l'ai vu. Un autre après. Les ténèbres amusants. Donc, acteur des abysses, du coup. Incroyable, et c'est tout. Acteur des abysses, c'est quand même pas mal. C'est pas un petit pack, hein. Heureusement qu'il y a... Ah, le chemin de la vie, je peux repartir sur du Mayutan si je veux. Surtenter les Mayutans pour essayer de choper les bêtes, les M5 qui me manquent. Au niveau des ultras, je suis bon. Mais non, le Mayutan, c'est pas le plus important. Dommage. Les artefacts avec faux, faudrait que je tente. Il y a Sanctuaire qu'il me faut aussi. Mais besoin. Oh, c'est chaud après ce qu'il y a. Il y a les gardiens. Oh, ils y sont tous. Gardien Seal. Gardien Baou. Il y a une manquée à tous là. Le gardien de son des ombres à la faux, voilà. Et les Atos, voilà. C'est bien ça. Gardez l'arc oricalque hein, pour savoir ce que c'est que tout ça. Je savais pas qu'il y en avait autant, je pensais qu'il y en avait surtout les deux et Atos et l'autre. Mais après j'ai vu qu'il y en avait un peu plus, mais il n'y en avait pas autant. Alors le retour encore des ABC et des Villons. Et encore une fois, on a tous les cartes ténébreux, donc les Zephra, les Shadow. Et c'est tout. Ouais, Zephra, Shadow. Ah. Je vais rien dire. J'allais dire peut-être qu'un jour je ferai le truc. Allez, un autre pack. Non, pas solo. Pas solo. On va un autre pack parce que c'était cool. Encore pas mal, mais bon, il faut pas en abuser. Il faut que j'en garde au moins 5000 de côté au cas où il y aurait des trucs plus intéressants. Et plein de super, très bien, c'est mieux. C'est ce que je recherche, hein, beaucoup de super à payer pour au moins un de mes decks et les super que je vise. Double avatar, ah oui, c'est le pied, je l'ai pas lui en vrai. Demi-tour, un ruide. Oh, carrière éveillée. Alors c'est dur d'essayer de réunir toutes les cartes, hein. Il faut que je revoie le listing parce que t'as la libellule justement, t'as la guerrière séparée de son armure, donc ça fait une guerrière libellule. Et t'as 2-3 autres gars comme ça, il faut que je vois si je l'ai mis l'archétype dans mon tableau. Il me semble que oui. Hein. Un dragon armé du tonnerre, invocateur de l'arsenal, un monolithe, Siren Toon, très bien. Allez, fais péter la super. Ouais. Sentence de mort, très bien. Le dragon attaquant, c'est pas ça que je joue en plus. Bing bing, ok. Le rituel de l'ange machine, dieu les mythos, seigneur lumière, rose de résurrection, ah, double super, confrère et point du feu. Pas mal, Méclore, deux super quand même. Pyramide, Renaissance Pendule, Miroir des Rêves, Elnoir, Inister. Hein? Ah putain, c'est bizarre. J'ai Renaissance Exis, il faut le faire. Hein. Renaissance Exis et Renaissance Pendule, je lui dis putain, c'est la même. Non, le nom n'est pas le même. Déjà, la forme de la carte n'était pas trop la même. Donc ça m'a fait un blanc de me dire j'ai deux fois la même carte là, non non, c'est... en plus deux cartes rares, donc faut vraiment le faire, ça c'est un beau truc, ça mérite un screen quoi, franchement, moi j'ai pu me retrouver avec ces deux là en même temps quoi. Oh, notre Evolve Tri-Brigade, Sabre X. Il était drôle ce pack quand même. Allez, du vert, colonie du mal, de la constellée. Ah, fossile, ça change, parce que là on est parti que sur du lore du terminal. De la Marine Cess, l'épée destructrice, donc c'est du Buster Blade. Buster Blade, Noctovision, et du Bujin. Vous avez vu, toujours pas de collector, hein. Pas de cul. Là j'ai pris un kiki. Ah, parfait à main, très bien. Oh, vieux ça. Ça c'est vieux. Sirène Mur, Hermocrate. J'ai hésité entre dire Chevalier Jean des autres.
Alors là, on a du Far Star, encore une route de destruction, du crawler, on l'a vu tout à l'heure, et miroir des rêves. Sachant que miroir des rêves. Ah, miroir des rêves, c'est métaphyse si jamais je chope une super rare. Meclord, potion souriant, option de Gradius. Mais putain, c'est bon, j'ai un P7 de rose. IQ, Gemini Toon, Chouchou, la répandule. J'ai pété tous les super là. Bam 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 bam. Oh, une ultra. Et spirale. Programme spécial. Insector. Ah, magicien pendule, très bien. Loup nordique, que je n'ai pas. Les saints invocateur, ça c'est. Est-ce que c'est ce bête? Ouais, guerrier de bataille, pardon. Guêpe de bataille, pardon. Oh, encore! J'y rends plus du cœur. Ok. C'est pas une super rare. Le PT est super! Les arphotons. Kaina, ok, c'est bon. Diapason. Invocateur Nova. Ouais, un Forbidden Bling Bling, trop bien. La vitesse roïde, du Mechabot, Bling Bling, très bien. Et de l'éternité. Là, j'ai pas de super. Phantorus Bling Bling. Du Bayoutan. Acteur des Abysses, Clair de Lune. Monde virtuel. Altar Guest, double Mayutan dans le même pack, ok, pourquoi pas. Et Magicien Sombre. On finit avec de l'Ultra. Et non, y'a rien, l'Ultra est caché, ok. Red Raptor, Time TF, Zone du Chaos, du Vert. Merde, j'étais trop vite. Je finis sur un timbangle. Alors on a du Dragunité, encore la scène par Star. Toujours les mêmes cartes. Il y a 6000 cartes. Hein. Ça se voit hein, qu'il y a 6000 cartes. Bon, elle est moins terrible celle-là. Mais putain, mais regardez le nombre de roses. Quoi. J'ai même plus qu'un play 7. Je peux déjà commencer à death des roses là. En une soirée. C'est n'importe quoi. On a dit qu'il y avait plus de 6000 cartes dans ce pack. Ben, ça se voit pas. Ça manque un peu de. De Kraken. Hein. Hommage torrentiel carrément dans ce pack. On se voit, hein, la foudre, l'eau, la mer, requin. Alors, encore des roquettes parce que j'ai chopé encore un dragon attaquant. C'est pas le premier que j'ai. Toujours les mêmes cartes. Non, 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 ça suffit maintenant. Je dois faire du classé là. Faire du classé, arrêtez, c'est bon. Mais comme les payer mes packs supplémentaires. Il faut que je garde de côté. Sinon, la semaine prochaine, je pourrais pas en ouvrir. Point du feu, c'est tout ce qu'il y a. Alors, du monde virtuel, mais il y a du teint d'angle. Est-ce qu'il y a les trois? Non, il n'y a pas les uniques. Les virus. Ok. Bon. Alors là, je comprends toujours vraiment. Il va me dire, voilà, ça, ouais, bon. Après, quand j'aurai le temps, c'est bon, je me casse plus les couilles. Elle me casse encore les couilles. Allez, du. C'est l'heure du. J'ai 15 rangs à prendre. J'aurai sur mon deck jouable de toute façon. Il n'y a rien de plus à prendre. Parce que j'ai pas de super à Days. Je cherche que des super. Je joue en 2. Bon, ce qui est bien, c'est que la nouvelle saison fait que je suis bronze. Donc, du coup, les victoires vont être peut-être plus faciles. Faut juste que j'évite de croiser mes confrères argent. Normalement, s'ils ont tryhard, on est les 4. Oh, j'ai un deck T1, putain, je laisse commencer. Comme d'hab. Chaque fois que je commence, j'ai pas les cartes comme ça, et chaque fois que je laisse commencer. Ouh, ça pue. J'aime pas. J'aime pas trop. Je rage foudroyant quand même en même temps. Ah, j'ai perdu. Ça va aussi vite que ça.
Bah dis donc, ça va être rapide, hein. J'ai bien fait de laisser commencer, finalement. Quoique, avec Terraforming, il aurait pas pu aller chercher ce que j'avais. Que... Orage foudroyant, je réfléchis pas, hein. Je fais péter le terrain. Si la porte m'a eu temps, je suis dans la merde aussi. Là, il fait son effet. Un peu Colette, c'est obligé. Et que ça pour l'instant. Y'a pas les deux autres. Les deux autres, ils arrivent que quand C1 est détruit. Vous avez vu, il est bling bling, moi. Alors, combien il a choisi? 1. C'est pas débile, hein. Ça va faire 0 dégâts si. 2. Bon, là, il y a de quoi faire. Hein. Soit il fait Link 3. Soit il y avait Lexis, mais Exane est banni. Normalement, c'est Link 3. Chenille infinie, le bon move. Et c'est débilus, ils font 4, après ils font Lexis. Je sais pas pourquoi, c'est devenu un automatisme dans ce jeu. Après, il peut me surprendre, il peut faire Link 4 Apollousa, ça marche aussi, ça. Ça, c'est un bon move. Apollousa, je suis obligé de faire Orage ou Drouillon sur Apollousa, sinon je passe pas. 2, 3... En quoi que je peux essayer de le de piéger. Je peux essayer de le piéger. Il me semble que j'ai deux ténébraux. Bon, s'il me fait Lexis 1, je suis obligé de faire péter le terrain en espérant qu'il puisse pas en chercher d'autres. Ça, c'est plus important. Ah, il fait Lexis 1. Bon, deux choses à me poser, c'est... Est-ce que je vais avoir le kill? Pour l'instant, c'est mort. Il n'y a que ça. Allez, maintenant qu'il me set down le plus de cartes possible. Non, pas ça. Oh, le kill n'est pas là. MP, plein d'MP, il n'y en a pas. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout ça. Métaphysique, machin divine. Ah, ça me turlupine. La question c'est de savoir s'il est capable de me faire péter son invocation Exis derrière. Ça me fait chier d'activer Orage foudroyant pour juste ça quoi. Ouais, c'est que si je le laisse je perds. Pas de problème. Donc je calcule le fait qu'il y a ça, qu'il y a l'autre qui va revenir, qui a un APG 3000. Allez, je prends le risque, hein, de toute façon, je prends pas les couilles. Le but, c'est pas de... Il y a tout qui me fait chier, en fait, ça aurait été S à la place de M05, j'aurais pu me débarrasser de la bête. T'as la bête en main, il me brique. Il s'invoque plus depuis... main ou deck, hein, du coup, nique ma main, quoi. Nique la main. Ah, il me H Blossom, très bien, je me plais. Très bien. Pourquoi pas. Je peux pas les tutoyer un monstre. Du coup, hop. 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 Malheureusement, j'ai que ça. On va aller chercher Faucon. Pas si mal, hein, en vrai. On reste à savoir ce qu'il a mis comme monstre en position de défense face verso. Ça se tombe. Ah ouais. Une phase. Donc là, il va se rendre compte d'une erreur monumentale. À voir comment il va la faire.
du coup, l'autre il va revenir, je vais me prendre 3000, voilà, il a pas le choix. Ah non, il n'y a plus qu'à savoir s'il va... Ça décrase ton bourré souvent, mais... J'ai les 3000. Battle. Ouais, tu veux plus, hein, c'est ça qui gêne. Donc là, à moins qu'il fait comme objectif de... d'invoquer... Iraigeki. Iraigeki... Là maintenant il peut l'activer quand il veut, il a juste à se débarrasser de lui sur un trou noir, j'ai perdu. Je perds sur trou noir. 1, 2 sacrifices. Lava golem, très bien. Lava golem. Il le burn. Il battle, bah vas-y. Bah oui, il est débile. Allez, c'est fini, GG. Oh, Rugidragon en plus. Ah bon, j'ai gagné. Alors, effet, je me prends 1000. Et puis votre deck en position de défense me renvoyait à la main. C'est une carte. Et banni ou dans votre cimetière votre nom. Le plus important c'est ça. Si j'envoie Ténébreux Dragon, je récupère truc et... Vous allez comprendre. Faut que je banne Ténébreux. Ok, j'ai pas, mais c'est pas grave. Alors, 1008... 1008... 1008... C'est un niveau 8? Ok. Ah, oh, j'ai plein. Dégage. Il reste 2008, donc j'ai assez. Tenter le kill avec Tyran. Et si ça passait pas, je faisais Exis d'Ingirsu et c'était fini. Je l'avais d'ailleurs. Non, je l'ai pas fait encore d'Ingirsu. C'était d'Ingirsu, j'ai envoyé son terrain. Mais je l'ai pas. Il manque encore des cartes. Il manque des ultras en plus. Ingirsu, c'est un ultra. Bon, ça va. Son erreur, ça a été d'avoir fait Alexis 1 au début, alors que c'est pour ça qu'il faut partir sur Chenille Infinie, Link 3 ou Apollosa au début. Allez, encore 11 rangs. On va pas repartir en mode solo. Hop, tac, tac, tac. Ça, oh, je ferai plus tard. Les packs. J'aime. Rien qui est bronze 1 et là je vais jouer en premier, j'aurai pas la même main que tout à l'heure que j'aurais aimé avoir. Faudrait qu'on s'affronte au rire, pas ce soir. Elle dit j'ai vraiment pas le temps. Vous êtes gentil, mais vous voulez que je fasse du solo, vous voulez que je fasse des OP, vous voulez que je joue avec vous, on se calme. Oh la main dégueu. Elle est ouverte de gueule. Non. Microface, t'es où? Heureusement que j'en ai mis deux. Il manque du gras en fait, c'est tout ce qu'il manque. Ascension, s'il vous plaît.
Faucon. Faucon, ok. Ok, donc du coup, si Faucon est là... je peux me débarrasser de ça. Je peux me débarrasser de ça. Je vais garder la scie métaphyse au cas où je piocherai deux cartes. Ascension métaphyse vient d'arriver. J'ai ça qui vient d'arriver. Alors ça m'emmerde. Ça me casse. Oh putain, la magie qui tombe aussi. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Faucon. Alors attends, Faucon plus la magie de fusion Thunder Drake est banni. Un M05, ça c'est bien, mais j'ai pas les stés qui va avec. Et j'aurais dû activer l'effet de ténébreux pour invoquer Norm et pouvoir avoir ce qu'il faut, mais tant pis. C'est, Top deck à Louflupine, ça c'est bien. Top deck à Louflupine. Top deck à Louflupine. Est-ce que je vais reban des trucs ou... j'ai quoi dans une ban? J'ai zéro métaphyse banni. Même pas de dimension. Je suis obligé de partir sur Fragmanor. Horrible. Même pas activé à Louflupine, j'ai plus de zombies. Ah si, j'ai HB. Attends. Putain! Casse les couilles! Oh le. C'était un Necroface Troll, c'est pas possible, y'a qu'une carte sur 5 qui est bien, c'était le M05. Il m'a banni mon seul autre zombie pour que je puisse jouer avec Alouf Lupine et l'autre Necroface. Il m'a banni la Magie Fusion et le Faucon. Ah, oh, ça m'énerve. Cram, mais elle est loose, je sais pas du tout ce qu'il joue en plus. C'est over perdu ça. Je peux pas remonter. Dédaler ça. Ça va, mais une phase, hein, c'est... Pourquoi j'ai pas eu la main de la game précédente? Elle était parfaite, cette main-là. Ouais, j'ai une main de merde. Donc du coup, si je dis non pour Deda, je peux pas le réactiver après. C'est... Je rappelle que le jeu a un défaut, c'est que... Je peux pas activer mes effets métaphys dans l'ordre que je souhaite en stand by phase, alors que normalement, on peut. Donc Deda, elle va venir... Parce qu'elle a été ban avant Neftis, en fait. Alors je sais pas si c'est un ruling spécial de... On va tenter comme ça, on va essayer de se trouver. Oui. On va tuto Dédale. On l'a préparé avec Tyran. Enfin, moi, j'ai pas réaffronté un numéro 1 quand même. Oh, c'est un Sky. Non, c'est pas un Sky, c'est un Ujama. C'est jouable. Oh, c'est un Ujama qui pue. Ujama très brigade. Oh, c'est pas la même. Qu'est-ce que tu fous en bronze? Bronze 1. Coréen bronze 1. Le très brigade. Techniquement, il a pas le kill. Techniquement. À cause de la partie Ujama, il devrait pas. Mais bon. Set down avant de faire les moves. Set down 2. La bonne nouvelle, c'est Dédale va bannir les cartes, ça c'est bien. Non, c'est qu'il y a deux cartes à se cacher là, je sais pas pourquoi. Mais t'es... T'es deux. What? Top de merde. Yep. Ta-da, ta-da. Tudududududu. Terminator le truc. Un tour découlé. On va pouvoir récupérer avec les nécrophées, ça c'est cool. On va battle direct, hein. Je veux qu'à invoquer SP avec Nexus. On va taper. On va tenter, hein. Je tente de taper pour voir s'il me fait. S'il me fait rien, c'est bon. Ujama. Je fais deux tokens normalement. À se défendre.
Il va se défendre. Allez, hein. Vous continuez à attaquer. Yep. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière. Vous pouvez ajouter deux cartes au Jama depuis votre deck à votre main. Cette carte est envoyée depuis votre main ou terrain au cimetière. Vous pouvez activer un de ses effets. Chaque joueur pioche une carte, puis chaque joueur défausse une carte. Puis, si vous avez défaussé une carte au Jama, vous pouvez choisir un monstre inutilité dans votre adversaire. Là-dessus, là, je vais péter. Ok. Donc, fait, on pioche. Nickel. C'est une carte, on va déposer celui-là. C'est pas un Ojama. On passe 2. Down. And fall. Maintenant plus cœur 29 de temps. La révolte qui est là. Ah, il est trop tôt. Ouais bon, il a le kill, donc ça c'est sûr. Donc un box P1, un box P2, un box P3. Que des Ojama. Attends, mais... Pourquoi il me part sur frac? Sur fractal en utilisant que des Ojama. Ouais. Ça c'est calculé probablement. Effet. Ça va pas se cacher évidemment. Bah ouais. Effet, perte de 500. Du coup, il passe pas le dédale avec celui-là. Que c'est amusant. C'est débile. Au lieu d'invoquer de normes. Effet. Je dis pas que t'as encore une autre kit en main quoi. Ça lui c'est pas mieux. Une main tribrigade qui aurait pu me faire de gros dégâts au début. Il a juste attendu un tour parce qu'il était défensif et. Je vois pas ce qu'il faut derrière. La main était dégueulasse. Le nécroface était horrible. Parce que là, ça me paralyse encore. Je suis obligé de faire un énorme nécroface pour pouvoir jouer avec Alouf Lupine derrière. Et... Ah, c'est très gentil ça. Du coup, j'ai. Fractal. Effet. Changement de position. On bouge jamais en mode attaque. Effet. Invoque un deuxième effet, me bannit des dalles. Ah non, il part sur ok, full combo là. Il n'est pas le débile, normalement c'est une norme fractal. Donc ça, link 3, link 4. Allez, t'as possibilité de me kill, dépêche-toi. Je m'y attendais que j'étais mort, mais bon. Alors, on est sur une norme, attention, link 3. Ah, je perds sur access code. Hein, c'est gros, c'est vu. Hein, c'est... Alors, le move, il est pas dur. Hein. À moins qu'il a peur, il va peut-être partir sur Apollousa. Link 4 Apollousa. En utilisant son fractal, effet fractal. On peut faire Apollousa avec 3. Il a fait access code comme ça. Ça marche aussi. Hein. Tu dépasses mon dédale, mais tu vas me détruire évidemment. Ça sera drôle. Intérêt à me tuer maintenant, hein, parce que sinon, on se va chier. Effet kit. Ouais, tu faisais Apollousa et après tu faisais kit. Comme ça, t'avais plus de problème Nibiru. Non. Chou-reg.
Chou-Reg. Ah, quoi que tu l'as pas activé tout à l'heure, ton Chou-Reg ici. Ouais. Bon, tu me le fais ton putain de access code là. Ça devient long, hein. Bah, t'as deux links. Ah, quoi que tu t'en es débarrassé d'un. Les fractales. Allez, rebanne des trucs, vas-y. Non, il fait son effet. Envoie Kit. Mais le problème, c'est que t'as déjà utilisé. Non, ton Kit, il est là. Tu peux utiliser Kit, allez. Envoie un Ujama si tu veux aussi. Voilà. Alors, effet access code, tu détruis des dalles. C'est vachement dur comme. Voilà. Allez, les dalles. Voilà. Alors, tu me tues. J'ai pas envie de perdre des points bêtement. Allez, je vais level up. Colède. Ça n'empêche pas d'activer l'effet, mais c'est pas grave. Mais ça change rien. Faire de magie dans le vide, allez. Ouais, beaucoup de choses qui font pourquoi il est là. Pourquoi mon... Pourquoi mon nécrofesse m'a banni de la merde. Pourquoi ma main était pourrie. Que des détails qui font que j'ai perdu. Voilà, j'ai level up. C'est ça mon objectif. Allez, encore 10. Ah là là là. On a du tri-brigué dans bronze, les gars. Malgré deux saisons. Hein. C'est les gens qui viennent d'entrer dans le jeu qui ont enfin leur deck et qui commencent à rusher. C'est vrai que je vais en croiser. Hein. Toujours en croiser. C'est pareil sur Hearthstone. Hein. Les gens qui ont maintenant les decks qu'il faut. Alors. C'est moi qui décide de commencer. J'aime pas trop. J'ai la louf lupine. On va venir Neftis. On va partir sur le move ST46. Effet ST46. On va chercher fusion. Il me l'a laissé, c'est très gentil. Et bien c'est que j'ai Alouf Lupine pour le prochain tour, donc on va s'occuper de ça. On va invoquer la bébête. Au cas où on va set down 1. Pas grand chose mais on set down 1. On prépare le prochain tour. Sachant que s'il m'active les magies, je peux me débarrasser par Sanson Métaphys. Où j'envoie Tyran. En attendant, on va aller tuto. On va aller tuto. On va aller tuto. On va aller tuto dimension direct en plus. Ah, Radmas, c'est pas grave. Bon. Je vais partir sur lui pour le bannir avec. En fait, il me faut des cartes à ban. Dimension, ça me paraît trop gros. On va rester sur. On va rester sur. Même si j'ai Alouf Lupine. Mais putain, mais c'est quoi ce délire? Un Dragon Maid, on est en bronze, les gars! Arrêtez! Putain! Sérieux quoi! Respectez-moi! Pour mes couilles! Faut vraiment que je vais. Un lol! Pour mes couilles! Ben. Non, non, vas-y! Hein. Un autre pot, dommage! Ah, la piège! Ah, double piège, super! Ça va! Ça fait une main de ouf! Hein. Putain, les tutos là que. Où mes Thunder Drake, ils sont jamais là quand on a besoin. Pop 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 pop. Oui, je sais que c'est pas toi qui le joue. On est en bronze 1-2, c'est pas son nom. Merci. Et vous voulez que je joue demain? Non, mais ça va pas la tête. Ça pour gagner 3 OTS. Merci. J'ai fait le tour des OTS. C'est ça pour. Il me manque juste les ultimates, mais bon, parce que. Pour ce que c'est actuellement. Magie! Waouh!
suis obligé. Je suis obligé de bannir Tyran. Non. J'ai pas bannir Ascension, il faut que je lui fasse peur avec la piège en fait. Ça, ça se dégage pour l'instant. Pas de fusion, merci. Tente ta chance plus tard. Dis-moi que t'es débile, ce serait cool. Bon, c'est bien, mais il faut quand même que je top deck des trucs parce que là, la main elle est pas folichon. Il y a que Bête qui me protège. Et il va retourner ça dans sa main pour faire sa fusion. Il peut la réactiver. Une carte face cachée, c'est la piège. À partir de la deuxième, je sais plus. Allez, un petit top deck Necroface et là on commence à jouer quoi. Mais ça aussi c'est bien. Ça ouais, ça fait gagner du temps, merci. C'est paumé sur ses moves, du coup il a tout perdu. Ouh, on va vérifier si je vais faire. Oh mon dieu, je monte vite, dis-moi comment ça se fait. On joue jamais un pot. Non, c'est un pot où il choisit ses cartes. C'est pas un pot random. Donc c'est pas un bon tiers, mais c'est on va dire c'est un ok tiers. Bon, je commence. Est-ce que je peux avoir la main que j'ai eue au tout premier duel où j'ai décidé de pas commencer? Ou est-ce que c'est vraiment ces tours 2 que je chope la main de départ? En tout cas, on voit la baston. Alors, c'est pas lui que je veux. Tac, 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 tac. Bon, je peux quand même jouer. Oh, j'ai dimension en plus. Chou, chou, chou. Hein. Ok. En fait, il me négate, j'ai perdu. Je tente de partir sur ça. Ah, il a une finite en main, cet enculé. Mais putain, on est marre. Ah oui, d'ailleurs, faut que je fasse un truc, moi. Dans les options qu'on fait... Chaîne auto. Confirmation d'activation. Et où qu'on fait rendre les cartes verso transparentes, non? Affiché automatiquement en description, rendre des cartes verso transparentes. T'es dans lequel ou... Ah, je blossom aussi. Il a tout en main quoi. Ah, c'est cool. Il reste plus que 3 cartes. Super. On a tout negate. En gros, il joue que des cartes de merde. Très bien. Allez, merci. Sur ton jeu. En bas à droite. À la droite. Ah, nickel. Et le petit bouton en bas à droite auto. Ouais. Et mettre en off comme ça à chaque fois qu'il va vouloir jouer. Ça marche pas très bien. J'aimerais bien, il n'y a pas d'action que je puisse confirmer à chaque fois qu'il fasse le même. Bon, 4 cartes. Une carte face cachée, ok. Ok, en gros il va juste m'empêcher de jouer. Un cyber dragon qui peut m'OTK et pourtant il n'y arrive pas. Je offre Matrix Dragon. La main elle est catastrophique, j'en ai. C'est horrible! Il y a un cyber dragon qui va me tomber sur la gueule, je peux pas jouer. Tiens, prends ça. Il m'a mis mal à cause de l'infinite, je le rappelle. Pas activer l'effet de ça, c'est bien. J'ai pas deux matrices, j'en ai qu'un seul. Bon, t'as rechopé une Ghost Bell, super, allez, fin de tour à moi.
Ah, auto. Je suis pas on off ou auto. Non, c'est pas auto. Ah, je comprends pas. J'aurais préféré qu'il me prévienne, mais il n'y a rien d'actif à ce moment-là. Ça m'a foutu. Ah bah enfin, on va pouvoir jouer. Et c'est le misplay de l'adversaire, voilà, c'est ce que je veux. Je veux des misplays comme ça, ça me plaît. Ça me plaît ça. Voilà. En gros, le mec, c'est un connard qui va ne faire que m'empêcher de jouer. Non, mais je t'en rends ciel, je le défonce. Il me casse les couilles. Non, sérieux, t'as pas ça. Ouais, merci. Tu le feras après si tu veux, mais tu le fais pas maintenant. Allez, face à face, rien à foutre. Voilà. Apparemment, t'as du mal à avoir ta main. Maintenant, je vais pouvoir t'empêcher d'aller tuto. C'était un Cyber Dragon. C'est beau. T'es content? Il n'y a pas de negate d'invoque. C'est bon, on va pouvoir jouer. Ça y est. Taper. Non. Toujours plaire, ça c'est cool. En plus, j'ai un autre Ténébro. Donc, je peux partir sur récupération de l'autre. Faut que je top deck Faucon ou un. Faucon. J'ai rien d'autre. Faudrait que je chope Ragna ou Asimétaphys pour jouer avec Dimension ici parce que les deux Nephis qui servent à rien. Une phase. Bon. Deux HBO sur le moment de départ, c'était moche, dont la deuxième qui a été activée n'importe comment. Ça, ça fait plaisir. Il a vu que mon petit Matrix Dragon, j'en ai pas un deuxième dans mon deck. Raigeki. Et ben voilà exactement ce qu'il fallait. Hop. Ça détruit ça. Je vais envoyer. Oui. Je vais envoyer mon Ténébro. Donc je chaîne un Ténébro, je chaîne deux. Ah, on va récupérer lui justement. Hop. Je joue même pas le métaphy, je joue que du Thunder et de la loupe pupine. Hein. C'est pas du tout ce que je joue l'autre. C'est juste que je joue à Thunder Drake. Il faut rajouter ça. Mais... Ah non, il faut rajouter ça. Mais... Rajouter ça aussi. Ah, puis, finalement, on va changer les. Défaut, son fusion, défaut, son récupère ça, pour une gère. Là, je fais fusion, effet, je récupère. Il ne restera plus que le top deck à nouveau Faucon. Comme j'ai un tyran. Après, je peux me défausser, récupérer une carte en main, faire tyran tout de suite. Pourquoi il y a une caillou? La kaiju, pas bien. Non, ça sert à rien. La kaiju. Monster Reborn Colosse. Oh putain, t'es sérieux? Oh, pas Monster Reborn Colosse. J'ai Colosse et Alouf Lupine dans le cimetière. Qu'est-ce qu'il veut? Et Matrix, tu veux Matrix? Vas-y, je joue Matrix. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il va m'empêcher de tuto, il te reste 2000 PV. Hein. Bah. Oh, c'est dangereux ça. J'aime pas quand il a été chercher Matrix ça. Finalement c'est un niveau 1. Putain, j'ai pas de. Pas de Ragna, c'est dommage. Top deck s'il vous plaît. Ah ouais non, c'est vraiment la main pourrie quoi. Link 2. Link 2 Anaconda l'enculé, mais sérieux. Link 2 Anaconda sur un. Tu vas pas oser me faire un truc ouais, battle dans les suicide. Il m'a piqué mon monstre, hein, du coup je peux pas jouer.
Suicide. Il restait 2000, il n'y a pas plus qu'il reste si peu. Avec que des cartes qui m'empêchaient de jouer pour un... Je sais même pas si c'était un Cyber Dragon en vrai, je sais pas ce qu'il jouait. On enchaîne, allez. Ah, on a presque fait la moitié là. C'est 41. Par contre, je suis monté vite, hein. Je vais repasser Silver. À 2006 parce que j'ai rien fait. Hein, pour vous. J'avoue, j'ai rien foutu. Hein. J'ai juste joué mon Thunder et merci. Au bout de 3 tours. N'importe quoi. Je vous propose pas des gros trucs. Hein. Et pas ça, je vais choisir de commencer. J'ai la main que je veux. À toi, il n'y a pas de dragon. Non, mais il pouvait me faire des coups en gros d'envoyer d'autres cartes du deck cimetière en fusion. Quoi. C'est lui qui commence, ok. J'ai un Alouf Lupine Tyran Neftis. Donc je peux Neftis, Ban Tyran, enfin défaut. Ah, je sais plus combien d'exemplaires je t'ai joué. Merde. La main elle est pas folichon. Hein. Je peux jouer autre chose que des cartes face cachées. Oh putain. S'il te plaît. Je joue autre chose que des cartes face cachées, s'il te plaît. Voilà. Raptor de ferraille. Vous voyez si bien un monstre que vous contrôlez. Trisez-le aussi durant la main phase de ce tour. Vous pouvez invoquer normalement. Cette carte est détruite par l'effet d'une carte ferraille. Ouf, ça c'est une bonne Alouf Lupine ça. Ça me plaît. Effet, il a été successful. Je paye le cost. Ça, c'est un très très bon Alouf Lupine. Oh, j'avais 2 H+. Tout à l'heure avec ma main dégueulasse, finalement elle était pas si terrible. Oh, je vais utiliser la Alouf Lupine tout à l'heure. Oh putain, ouais, j'en avais qu'un. C'est ça d'avoir des decks pas complets. Alors priorité mes 2 effets parce que là on est sur des activations obligatoires. Ça aurait été des activations facultatives, il aurait pu répondre, mais il peut répondre qu'au deuxième. Ça c'est une règle dans l'OCG. J'ai bien appris mes cours. Alors, tu viens me dire ce que c'est que ton deck, parce que là... Ok, donc tout le deck. J'ai une ascension métaphysique, on va le chercher. On va pouvoir assis métaphysique, nickel, on va pouvoir bannir Tyran. La dernière carte, c'est Blue Sun. On va aller chercher l'assis métaphysique. On va vérifier ce que j'ai quand même parce que j'ai un Ragna, ça c'est cool. J'ai un Mahutan, c'est tout. J'ai la fusion qui est tombée, la fusion. Enfin les 2 fusions sont tombées, 2 magies fusion. Après ça pue. Hein. Et le Ragna, c'est très bien que le Ragna soit là, puisque comme je joue dimension, c'est bon. Maintenant je vais voir ce qu'il a. Du Crisseron. Oh oh, c'est du synchro. C'est du gros synchro. Ok. Ah, si je top deck facteur métaphyse. Condition qu'il me le laisse, évidemment. Facteur métaphyse, effet tyran, il est mort. Ça marche. Toujours pour 11h30 midi. Hein. Je chope Faucon, mais j'ai pas de... J'avais plein de Thunder Drake, y'en a eu 0. 10 cartes, hein. J'ai banni 10 cartes. La seule carte qui est Thunder Drake qui a été ban, ça a été celui-là. C'est pas beau, ça. Merci, le jeu. Je t'aime. Bon, battle. T'inquiète pas, tout va bien. Tapez. Il faut récupérer un monstre aussi, il faut que je récupère le Mahutan. Le M05 qu'il faut que je récupère. Livre de la Lune. La mettre à l'Alouf Lupine en position de défense face verso.
Une blague. Une grosse blague. On est sérieux. Respecte-moi, bordel. Et on a une phase 2. Et fini match. Ok. Une phase. J'aurais plus qu'à savoir si les cartes passent cachées, s'ils activent maintenant ou pas. Sachant que là, mon Alouf Lupine va récupérer sa puissance. C'est quoi ça? Eh bien, de vos monstres qui seront bannis, invoquez-le spécialement et si vous faites votre adversaire. Vous pouvez changer leur def à 0. Dans le tour de chaque joueur, sur votre tour, vous êtes carte en vie initiale. Est-ce que cette carte en effet qui s'est. Ah bah, finalement, mon écrofesse a été très utile. Ok. Lui c'est un... Non c'est pas un synthoniseur. Lui c'est un synthoniseur. Yep. Activer maintenant. J'ai pas le choix. Sinon je perds toute crédibilité. Donc on va gerper la dernière carte face down du coup. Match que j'ai pas facteur. Et le match, allez, je l'avais dit. Putain, je connais par cœur les cartes de l'adversaire, c'est incroyable. C'est incroyable. Et le match. Il a posé face cachée avec deux cartes. Putain. Il joue comme un pied. Ça aurait pu attendre, j'aurais attaqué juste ça. Et après derrière, et le match, j'étais mal. Et après derrière, il aurait posé ses cartes. Il a joué à l'envers. Carte face cachée. Il y a encore des bonnes matchs. C'est bien d'avoir posé avant. Mais là, j'aurais clean ton board. C'est dommage. Encore une fois, tu. Sur son synchro 8. Radna quoi. Alors, est-ce qu'il fait une synchro 7? Synchro machine, ok. Détruisez la carte, invoquez spécialement un synthoniseur Criston depuis votre deck. Très bien. C'est le seul synthoniseur qui a. Ah non, c'est lui le synthoniseur. Il a deux synthoniseurs du coup. Qui ferait une synchro 11. Pour l'instant, je veux voir ce qu'il a dans le ventre. Il peut faire que des invocations. Oula. Synchro machine avec deux synthoniseurs. Synchro 10. Synchro 9. Oh, dragon de ferrage. Non. Oh. Carte invoquée par synchro, vous pouvez cibler un nombre de monstres contrôlés par votre adversaire. Le matériel d'un côté. Bannissez-les. C'est carte invoquée. Tiens. Bien. Je peux chaîner, moi j'ai ça, ouais, merci. Parfait, franchement c'est parfait. C'est un display ça. C'est marqué bannissez-les. C'est très gentil. Du coup chaîne 1 obligatoire. Chaîne 2. Je mène ça tout de suite. Chaîne 3, Ragna. Et tu peux répondre qu'à Ragna. Pas de pause. C'est que le lundi. Quoi?
Ah oui, putain, Ragna il a ban 2 ascensions. Faut faire attention. C'est une épée, c'est pas trop facteur. Bon, j'aimerais bien top deck un Thunder. Sauf Batrix. Batrix, ça serait dégueulasse. Elle a de la ressource. Hein. Elle va jouer avec un token et tout. Elle peut faire que du synchro. Tout ça. Ash Blossom, j'ai cliqué dessus. Ok, un tuto avec Neftis qui la banne. En tout cas, il a ban à Loof Lupin, j'aurais préféré récupérer autre chose. Non, je veux pas négate mon. Abzigaga. Voulez-vous utiliser Tyran? Bah, ouais, alors. Ok, Neftis, hein. On va essayer de l'avoir sur plusieurs trucs. Hein. C'est un Evenly, hein. C'est vraiment bien fait pour lui, hein, mais Ebony. Allez, top deck à Mayutan, top deck. J'ai pas le kill. Oh, misplay de ma part. Je peux pas l'autre parce que j'ai pas ce qu'il faut. On garde Neftis. Moi aussi je sais faire des synchros, regarde. Moi je fais du synchro 12. C'est ça, Evenly match. J'en ai gerté deux hein, parce qu'il les a posés. C'était le gros misplay de sa part et là il reste plus qu'un monstre. Des dalles, j'étais pas obligé de l'activer, mais on va l'activer quand même. On va envoyer Dragon un port. Effet, mais il est pas affecté. Du coup, un Invox P, je peux faire Invox P Dragon à port pour me défendre. Là, il va partir sur son token. Là, il aurait fait battle. Oh, il est en mode attaque en plus de token, ok. Je le fais maintenant. C'est pas le moment. Je gagne. Pourtant, on est parti du principe que les deux Necroface m'ont banni qu'une seule bonne carte. Tout le reste, c'est que de la merde. À part M5 aussi. Oh. J'ai mis 3 ascensions par. Ah, taper. Ouais, vas-y, je te le laisse. Oh, c'est pris 6000. On se prend le double. C'est pris 6000, j'ai pas du tout. Oh mon dieu. Ultra explosion. J'ai eu un succès qui s'appelle Ultra explosion. J'ai fait trop mal. Encore 6 rangs. Encore passé Silver, donc là il va y avoir que du lourd. Hein. Il y a un truc en, sur Steam. Je comprends pas pourquoi il est en pétard, un truc à montrer sur Steam. Baston! Ah, tu peux y aller, hein. Je vais faire une micro-pause en attendant. Je vais récupérer les trucs et je vais vérifier si j'ai assez de gemmes pour améliorer mon deck en fait. Ah, c'est plus grand chose. Hein. J'ai 49, je suis à un rang de passer mon objectif. Sachant que c'est là mon objectif hein, en fin de séance.
faire une soirée spéciale SCP Containment Beach Multiplayer. Sérieux, il y a ça. Oh. C'est quoi, je suis pour. Alors là, je suis pour. S'ils ont fait une version multiplayer de ça, franchement, je suis chaud. Lorsque le monstre de votre adversaire attaque, votre adversaire subit des dommages. Ah non, j'ai cru que je gagnais 10 000 gemmes. Non, c'est juste 100 gemmes, tout va bien. J'ai eu peur. J'ai gagné un ballon de foot aussi. Merde, 10 000 gemmes, go ouverture. Hein. 40 000 hein, quand même. J'ai subi 40 000 au total, c'est pour ça que j'ai eu le succès. D'accord. Ok. Non mais Containment Breach, ça a toujours été gratuit. En plus, il est maintenant disponible sur Steam, alors qu'avant il fallait le télécharger et tout sur un site. Donc c'est incroyable. Donc j'en étais où, deck du coup. Alors, je suis à combien? 22. 92 ultra. 92 ultra. Sachant que. Je veux pas générer. Ok, ça peut pas être démonté, nickel. Ah, ça c'est le petit souci que je trouve du jeu. C'est que quand on en a 3 et que ça a été offert, je comprends que tu peux pas les démanteler. Mais quand on a plus que 3, il faudrait démonter l'excès. Que ça je peux pas, du coup. Ça je peux pas. Ça je peux pas. Par contre, il y a des fleurs de rose là, je sais que c'est. Je sais que j'en ai plusieurs, dont un bling bling, donc je sais que. Non, c'est rose, on a tapé rose. Ah, j'en ai que 3. Ah, j'ai eu les 3 dans le même truc, incroyable. Ah, d'accord. Allez, Cabio. Et bonne nuit, Mercure. Bah, du coup, j'ai pas assez. Allez, on reprend. On va prendre, je rappelle, je continue les duels jusqu'au rang 55. Comme ça, à chaque séance, j'aurai à peu près 15 rangs à monter. Encore ! Ok, je joue en 2. Et là, vous allez voir, je vais avoir la main parfaite. Là, je suis bronze 1 en plus. Je pensais que tu étais déjà silver. Oh la main. Ouh la main est compliquée. Oh j'ai des. Oh mais putain, mais c'est quoi cette main de merde? Oh mon dieu. En plus. J'ai dit que je laissais commencer. Ok, je sais que c'est bien. On va lui faire peur. Hein. Oui. Je veux invoquer M5. Bonjour, je suis M5. Je veux tuto à une grosse bête. Voilà ma grosse bête. Putain, je vais même faire fusion mais du temps du coup. Je vais activer l'effet de mon terrain. Je vais te montrer la grosse bête. Je la mets dans le dessous du deck pour piocher H Blossom pour t'empêcher encore plus de jouer. Je vais activer l'effet de cette carte. Je vais le sacrifier. Je vais bannir ça. Non. Je vais invoquer la bête. Libérer la bête. Waouh. J'active l'effet de ça. Je vais invoquer SP depuis le deck. Je vais invoquer SP. Faucon. Je veux entrer en battle. Je tape. Je fais des gros dégâts de salon. Et je end phase en récupérant faucon. Et j'ai misplay. ST sert à rien parce que j'ai récupéré mon labo et ma fusion et du temps. J'ai 40 cartes dans le deck. Faut vraiment qu'à chaque main de départ, j'ai le truc qui fait que j'ai une carte qui me sert.
Un monstre en DF, une femme. C'est beau. Neftis. Je peux pas parce que j'ai qu'une seule bête dans mon deck et voilà. C'est pas drôle. On va utiliser les sioles en mode défense. On va faire ça. On va m'empêcher de jouer. Ça fait plaisir. Potion d'attaque. Donc ça fait deux. Hein. Effet. Non. Donc esprit ça. Défense. J'active l'effet de ça. Je te montre une grosse bête. Moi, j'ai que lui à montrer, ça sert à rien. Hop, hop. Facteur métaphysique. Facteur effet. Enveloppe norme. Je tape. 6, 10. Non, ça suffit pas. Battle. C'est une Kayas. Une Kayas de monstre. C'est un Blue Waze. Je peux pas les tuer trop. Donc Ténébreux Dragon va me permettre d'aller chercher la magie fusion. On va pouvoir jouer. Ou sinon il surrun ça. C'est bien. Ouais, j'ai construct. On va changer. J'ai 51. Super, encore 4 rangs. Encore 4. Allez. J'ai mis 7. Hein. J'ai plus 3004. Oh, Yami, ouais. Quand même. Je vais avoir toutes les cartes forbidden, c'est trop bien. Parce qu'on s'amuse. Peut-être pouvoir finir le lore héritage du monde, du coup, cette vitesse, c'est cool. Après, si je tryhard bien et que je me prends un peu d'avance sur le mode classé, là, on verra. Attends, il faut que j'avance dans le mode solo. Ah non, j'avais dit que je devais faire les trucs spéciaux. Pardon. J'ai les trucs spéciaux à faire parce qu'on me l'a trop demandé. Dis-moi que je joue Link ou Ribo. Putain, je joue même pas Link ou Ribo. Oh, ça me saoule. J'ai pas activé l'effet. Ça, Link ou Ribo, effet, paf, c'était bon. Oh, putain. Quelle horreur. Je veux comme ça, je suis con. Hop, hop, hop. Ah, ah. Je joue n'importe comment. Quelle horreur. Qu'est-ce que j'ai foutu. Ça, j'ai pas l'activé si je joue comme ça. Faucon, paf. Encore un bleu. Putain, mais il arrive même pas à me tuer mon monstre avec ça. Sérieux. Allez, dégage ça, on voit un gros ton. Allez, autre effet. Voilà. Enculé, il va m'empêcher de jouer. Faut que tu me tues ça, c'est tout ce que je te demande. Ah, pas avec du lourd, hein, mais bon, t'as... Ah non, il va pas me le tuer, mais quel enculé, quoi. Zéro, en plus, je peux même pas l'entretuer avec le... Voilà, Link ou Ribo. Ça ne suffira pas. Il a 500 de def, non, il a 2000 de def. Une phase. Je vais passer un putain de Blue Eyes, j'ai pas ce qu'il faut. C'est beau. Oui, moi je l'ai pas parce que j'ai pas Link ou Ribo, du coup je suis dans la merde, c'est beau. C'est beau. Esprit du dragon blanc. Oh, si tu me bannes ça, je suis... Oh oui. Oh. Oh, c'est beau ça. Il est très beau. Il me bannit facteur. Trop bien. Contre la max. Oh merde. Sinon c'est un peu pour ça.
J'active l'effet. C'est un effet rapide, hein, on est d'accord. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer un yeux bleus depuis votre main. Depuis la main? T'as un yeux bleu dans ta main? Non, mais... Ça vit plus la merde. Hein. C'est fou de ma gueule. Hein. C'est battle. T'empêcher de jouer. Sérieux quoi, t'es obligé de partir sur ça quoi. Finite. Ouais c'est bien, gâche tes cartes. Okay. C'est pas joué, c'est horrible. C'est énervant, c'est énervant. Il gâche un infinite. Ah ah. Non, 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 je l'activerai au prochain tour. Mais avant, je m'en sors bien. Contre un Blue Ace. Il n'en a pas de Blue Ace en main, sinon il l'aurait invoqué. Oui, il l'a pas activé, je sais pas pourquoi. Inko Ivo qui va me réduire le monstre à 0. C'est trop. Infinite encore, mais putain, mais double infinite. Plus d'effet. Hageki. Pourquoi t'attaques pas avec Ninku Ivo? Ça m'énerve déjà. Ténébreux dragon. Oh, s'il a le blossom. Rien du tout en plus. J'ai joué à l'envers. J'aurais dû. J'ai... Bah, de toute façon, il a H Blossom. Ça aurait rien changé. Ça part. J'ai bien fait de l'avoir crafté. Alors, je renvoie ça. Je renvoie ça. Je renvoie ça. Une 3002 à passer, monsieur. Ouais! Tiens! Ce match-up n'a aucun sens. Ce match-up n'a aucun sens. Il est sur 3 cartes en main. Il a banni juste la mauvaise carte. Hein. Du coup, ça s'est retrouvé dans une situation où Link Uribo, humiliation, end phase. On stoppe des Kragna qu'on en finisse, merde! Hein. Fusion Mayutan. J'ai pas de Mayutan. Oui. Oui, c'est vrai. Il y a ça aussi. Il y a ça. Oui. Ça me plaît. J'ai du mal à gérer. J'enchaîne pas. Matrix. C'est une défense. Non, je t'envoie tout l'artillerie, j'en ai rien à foutre. Putain, c'est la première fois que j'invoque les deux. Là. C'est beau. Encore à 8000. Hein. Tada. Et vu l'image, j'étais très mal. Nouvelle playori, c'est pas fini. Un Blue Ace, ça peut retourner des gains. Hein. Tant qu'il passe pas une 3002 d'attaque, tout va bien. Prêtre, tu veux pas aller tuto? Ouais, Victory. C'est le surénadius.
Sacrifice, Rainbow Spelling Kuribo. Putain, il se défend, hein, Link Kuribo, il... le MVP. Hein. Trop. Ascension métaphyse, enfin. On va pouvoir jouer un petit peu. Mais d'abord, on va battle. Je tape le Link Kuribo. Effet. Enculé. Je vais pas se prendre le gros ton derrière. Au moins, ça a été rapide. Combat Silver. Encore 3, allez. Encore 2 rangs et demi même. 2005. J'ouvrirai après. Oh, level up. Bien. Donc là, déjà, ils ont déjà niveau 20 là-haut. Big Wood Swing. Oh, je start, allez. Peut avoir mieux. Non, risqué. Allez, bannis-moi un nécroface. Mais pourquoi vous me bannissez toujours cette carte? Pourquoi? Les deux! La bête! Oh, le Ragnatroll! Ma bannie bête, magie, fusion! Ragnatroll! Oh putain! Oh, c'est GG, hein! GG l'adversaire! Ouais, je joue un deck de merde, je sais pas! Peur, c'est. Même un Blue Ace peut me battre là, c'est ça qui est horrible! Je top deck à l'ouf Lupine et que j'utilise pas, je bosse. Oh mon dieu. Ah Freda. Ash Blossom. Ça fait ta norme. Il est sacrifié. T'as plus de board. Norme, bam bam bam, t'es mort. Oh putain, je gagne sur... ouais. Oh non, c'est ton deck de merde, sérieux, t'as pas fait que ce soit Sakisoban. Oui. C'est bizarre parce que la musique... Enfin quoi. Enfin bref. Tapez. Tapez. Effet. On a invoqué SP tyran. Déjà, première nouvelle, il n'y a plus d'Avaconda. Sauf si il régène ses PV. Ensuite, je pars sur main phase 2. Synchro. Il me faut absolument d'Ingersu. Hein. J'utilise Tyran, j'en ai pas besoin. Lui, mode attaque. Vraiment, franchement, les games qui me stressent autant pour finalement me retrouver avec. Mayutan qui est une brique en main. Tant que j'ai pas une seule carte Mayutan, ça sert à rien. En plus, même si je top deck un Mayutan, il faut que. C'est imprévu. Imprévu ça. Ah, c'est un solaire. Merde, je pensais que c'était un Predor. Un solaire vigne. Oh, ça va être chiant ça. Ah, faut aller. Ouais, faut invoquer après. Hein. Si tu l'invoques pas, tu te prends 1000, peut-être plus de 200. Par contre, comment je vais faire pour me débarrasser de son arbre? Tu peux refaire un... Non, il a invoqué de toute façon. Exceed avec deux monstres niveau 1. Un link... imprévisible comme truc. Je prends pas de dégâts et je dois attaquer son arbre, c'est ça. Hein. Attends, j'ai pas grand chose. Hein. Faut aller tuto à 6 métaphyses en urgence. Chercher une magie.
maîtrise pas, je sais pas du tout ce que ça fait. Quand je subis, demoiselle de rose. Pourquoi t'as tes tutos si t'en as déjà une en main, je comprends pas. Oh, il m'a envoyé une épine. Avec ceci. Demoiselle de rose qui se banne, ouais, un vox P de la plante. Je crois que c'est ça. Hein. Une autre épine. En plus, t'avais déjà une épine en main, bah putain, ta main elle était pas terrible non plus. Hein. Heureusement que j'ai négué de ça. Hein. Moi je dégueu hein, quand même. Link 2. Link 1. C'est après qu'il a tout posé, tu sais, il a posé ses balls. Et maintenant il se demande ce qu'il va faire pour passer ça qu'il peut pas passer. Oula, Link 3 direct. Allez, on voit des trucs. Oui, c'est bon. Oh mon dieu, ça ça pue. Part sur le gros ton direct. Effet. Ok. Ouais. C'est chiant ça. Ah, il peut faire que des plantes extra, d'accord. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre pour une plante de maximum niveau 4. Pour toi, dans une phase de votre adversaire, vous pouvez envoyer cette carte prospectée au cimetière. Si c'est une magic piège au cimetière, posez une queue. Hein. Arrête d'invoquer des arbres. Il y a une plantation là. Pourquoi t'as pas invoqué l'autre qui booste son attaque pour passer ça? Neptis va être ban. Ok, ok, j'ai rien dit. T'as un plan. Et gros gros ton niveau 4 qui a tous les effets. Eh, on est en prise. Elle est en collector. Carte invoquée par là, on peut jeter une attaque dans la main. Carte ne peut ni être détruite par des effets, ni ciblée par des attaques. Mais n'empêche pas votre adversaire de vous attaquer directement. Au par tour, vous pouvez sacrifier un monstre lien pointé par cette carte. Détruisez un nombre de votre choix de cartes contrôlé par votre adversaire inférieur égal à la classification lien du monstre. Ça va pas faire ça quand même. Non, il part sur l'épéiste. Voilà, lui. Putain, il a un motéco. 4000 Battle, t'as pas si l'attaque Neftis, ce serait le plus gros coup du monde. En plus, il faut le sacrifier derrière pour péter Neftis. Ça pue, hein, s'il détruit Neftis. Il reste 1200, c'est chez le top deck. Ouais, ça c'est bien, oui. Et après, derrière, s'il fait effet pour. Il peut rattaquer. Ah, ah ouais! Aïe! Il peut me piquer ça! Ah ouais! Ah, ça. C'est loose, hein! Dimension. Ah, tu sais quoi, vas-y. Je joue mon anus pour toi. Je savais pas qu'elle avait cet effet là, celui-là. Je savais qu'il pouvait se booster, que c'était déjà la merde. Mais au point de me piquer le seul carte que je peux pas gérer de mon deck, c'est fini. Donc le lightning, j'aurais tout pété. Ah, j'ai fait un mispète. Hein. Parce qu'il est pas dans le mode extra. Mais je lui donne. Il le mérite. Pas tes moves, allez. C'est chiant hein, quand vous avez kill le jeu. Ça aurait rien changé hein. Vous pouvez voir, regardez, il refait Link 1 derrière. Ça, ça passait pas, il avait une 4000, il me tuait pas. Bon. Juste à me taper avec les deux, allez, perds pas ton temps. Pourquoi faire des mouvements pour marquer des points, je sais pas. Mais... finissez vos objectifs, je sais pas.
C'est à cause des gens comme toi que je peux pas faire de mode solo. Donc du coup il aurait fait un autre Link, il aurait invoqué un troisième, j'aurais subi le kill aussi. Parce que lui je peux pas le détruire par lui. En gros tu peux plus faire deux Link, hein, moins de faire avec les trois, mais arrête. T'as 11 000. Ça sert à rien, t'es juste à scouper en fait. Finalement, Oh, très bon move, hein. La piège qui booste l'attaque de l'art par rapport à l'attaque des monstres qui les pointent. Ok. Je prends note. Super, allez, il faut que je fasse une victoire. Là. Ça, c'est dommage, la défaite, c'est chiant pour ça. Tu sais, quand tu t'es battu et que tu perds là-dessus, ils auraient pu faire un système où quand le duel dure un certain nombre de tours ou que t'as fait quand même quelques moves... Parce que ok, il y a quand même eu des decks où les mecs se suicidaient tour 1, mais il y a moyen de pailler pour éviter que tu te bappes, hein, surtout quand tu te bappes pendant 15 minutes pour qu'au final tu perds et tu te retrouves à ça. C'est toujours ça que je reproche sur ce jeu, c'est que... Et que la défaite, alors que tu t'es battu vaillamment, paraît compensée. Bon, après en tournoi, la défaite n'est pas récompensée même si tu t'es battu. Mais... D'abord, je connaissais pas du tout ce larval. Je connaissais surtout les payistes avec le larve, mais le reste. Alors, je start, j'ai déjà la fusion, ça c'est pas mal. Mon seul défaut, c'est d'avoir lui en main, mais que j'ai ni à l'off Lupine ni à Mahutan. On va essayer d'en chercher un. Sachant que s'il me hache ça, je suis déjà très mal. Ban Ascension, j'ai pas le choix. Le top deck Mahutan, ça c'est cool. Le tuto. On va aller chercher Ragna pour le prochain tour. Nord Mahutan. Effet Mahutan. J'ai monté un, c'est très bien. Non, on va tuto ST46. Et deux. Ban ça. Là, c'est bon. Il invoque la bête. Libérez la bête. Effet. Faucon. Donc on est à 2, 3. Il sait que je joue du Métaphys, du Thunder Drake et du Mahutan. Voilà. Hop, hop, hop. Et ben voilà, ça c'est un P1. Tous en attaque. Rien à foutre. Et vous pouvez voir qu'en jouant avec les deux, je peux faire Exis Girsu, activer Fusion Thunder Drake pour invoquer le Thunder Dragon. Ça. Il faut absolument Girsu. Je pense que je vais le crafter tout de suite après ce duel. Je vais en avoir besoin de faire Exis 8 Girsu à chaque fois. Important. Pour ça, je suis écœuré Colossus Eleban parce que voilà un board correct. Peut être beau. Ouh, le monde des toons. Le monde des toons. Alors, le monde des toons, je vais le laisser. Parce que s'il active par exemple le royaume toon, c'est encore pire. Monde des toons, je pense que ça peut le faire. Après, peut-être que j'ai une connerie. Mais... Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Au contraire, monte des toons, révélez 3 monstres toons de noms différents depuis votre deck. Votre adversaire en prend un au hasard.
pour vous l'invoquer spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Vous pouvez mélanger les cartes restantes dans votre deck. Je le laisse courir celui-là aussi. Il y a des cartes vraiment FDP au niveau des toons, ceux-là... Ok, il va me choisir trois fois le même, normalement ça doit être Lustre Luna. Non, il va partir sur BLS normalement. Je sais plus trop tous ses effets à BLS. Techniquement, ça devrait le faire encore. J'ai l'impression qu'il va faire une chaîne 3. Alors, c'est drôle parce que le truc est actif, mais son effet n'est pas encore applicable. Il peut déjà activer ton flash toon. C'est rigolo. Ouais, j'ai pas vu qu'elle est. Je veux un petit tour là. Rouage, Red Daze. J'ai pas vu le troisième. À tous les coups, je vais le sélectionner, c'était le BLS. Ah, je vais donner le Red Daze, tiens. Alors, monte des tunes. Maintenant, ce qu'il faut négate, c'est cette grosse merde de... C'est moi un monstre toon. Utilisez votre main en ignorant ses conditions. Blue Waze qui ne peut pas attaquer tout de suite. Ouais. Donc il n'y a que celui-là qui peut m'attaquer. Pourtant c'est... Ok. Sirène avec P en D. Battle. Même phase 2. Même phase. Ok. Okidoki. Dragon à port. Hein, c'est qu'il m'attaque direct. Donc ça c'est pas bon. Souci numéro 2. Je vais voir si j'ai pas meilleur. Je vais bannir un bon rapport. Le terrain, ok. Le terrain est là. C'est bien ça. Yep. Ah, ok. S. T46. Tout, est-ce qu'il me l'accepte ou pas? C'est pas facile. Hein. Tuto fusion, effet fusion, je récupère la fusion plutôt que la bête. Votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres, tant que vous contrôlez un monstre tout, de mélanger ces monstres dans le deck. Très bien, très très bien. T'actives une carte? J'ai regretté. Hein. Très bien, pour l'instant mon board il est excellent. On va l'achever très facilement du coup. De mon mutant d'attributs différents, ça marche quand même. On va bête, ça dégage. Et un monstre du terrain, ST46. Du deck. On va se débarrasser de mon Zetoun. Duori. Comment ça, Duori? Ça dégage. Norme. Je sais pas d'où est le problème, c'était pas un gros toon. Ah, le rang 55 est passé. Okay. Et je passe Silver 4, hein, je sais pas pourquoi. Plus 100 gemmes. Tu me dois quelques gemmes aussi. Hein. Je crois qu'il y a mon passage en rookie 2 et mon passage en bronze. Oh, j'ai eu ça aussi. Trop bien. Robot patrouilleur. Un Forbidden. Allez, on va chercher.
On va se crafter Gersu au plus vite. Din Gersu. Hop, comme ça j'ai le droit à ma petite clé pour les trucs. On va pouvoir s'ouvrir aussi. Est-ce que je peux me permettre de faire ma combo? 1, 2, non il me manque un peu de... Normalement si je me trompe pas, Crystron... C'est Crystron avec... Crystron. Non. Stron. Voilà, il est là. Donc lui est en ultra. Non, c'est l'insecte. Insecte est en super, je crois. Insecte de résonance. C'est la synchro 6. Ça, c'est... J'ai perdu le nom. Ah, il est en super, c'est pour ça. Le cri du pèlerin, pardon. C'est pour ça, je peux pas faire mon dernier combo. Je peux pas faire mon dernier combo. Parce que cette carte est en super et je cherche plus des cartes plus importantes. Donc moi j'ai le Gersu. J'ai lui qui sert toujours à rien. Il y aura plus tard. Enregistré. Je peux faire mes excises. Ça c'est bon. Oh là là, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai plein de trucs là. Plein de gemmes. Plein de gemmes. J'aime les gemmes. Ça de faire ça toutes les semaines, comme ça il y a plein de missions. Ah, il me manque des cartes pièges à activer. Tant pis, à plus tard. Je récupère mes trucs, ça y est. Le gobelin, le construct, quelques points pour super, quelques points pour... Du coup, je vais pouvoir acheter une carte en super. Alors là, faut bien réfléchir. Quelle est la super rare qui m'intéresse? Je suis à 30 pieds. Alors, quelle carte? Un deuxième Ragna me ferait plaisir. Les Mayutans de Tchak, c'est bon. Ténébro, on est bon. Le criquet pèlerin. Criquet pèlerin, je peux faire mes combos avec Dragon Appa et tout. Le dragon à pas, j'en ai peut-être un peu trop. Un troisième nécrophèse, ça serait peut-être un peu trop. J'ai deux Ash Blossom. J'ai un Raigeki que je peux enlever. J'ai plein de PTMP. Ah, une deuxième bête aussi, putain. Deux bêtes, Mayutan, ça serait cool. Trop de choix. Trop de choix. Choix douloureux. Je verrai plus tard, j'espère. Soit je pars sur Criquet Pèlerin et du coup je pars sur mon combo final avec Omega et tout. Mais vu que je vais pas faire de classé, je pense là. Modifier. Mon icône, on s'en fout. Le titre, on s'en fout. Le partenaire, on s'en fout. L'illustration, donc non, ça c'est bien. Voilà. Voilà, c'est beau comme ça. Enfin, un truc qui est intéressant. On avait marre de l'alternate. Je voulais pas mettre le leash, l'ultra leash. Enfin, le surnalish. Non. Ah, d'ailleurs, grosse incohérence, il y a construct avec ça. Alors qu'ils avaient dit que le construct il apparaît après. Mais on voit corrompre tout ça, regardez. Voilà. Pas d'incohérence. Du coup, retour au solo. Et parce que c'est trop demandé, je vais en faire un. Carte du destin. Ouh, il y a un milliard de duos. Oh là là, c'est long. C'est très long.
Vous pouvez ignorer les conditions d'invocation de Grand Motte ultimement parfait et invoquer spécialement en utilisant Parasite Paranoïaque. Cocon d'Ultra Évolution. C'est un puissant combo qui vous permet d'invoquer rapidement un monstre insecte de haut niveau. De plus, Stade Géant peut être... C'est un go qui pôle. Peut être activé non seulement lorsque votre adversaire attaque, mais aussi lorsque vous attaquez. Gardez à l'esprit que les monstres normaux déployés sur le terrain peuvent également être utilisés pour invoquer des exiles. On va attaquer directement. Je peux jouer mon deck. Ah non, c'est le deck de l'adversaire qui joue Stade Géant. Je vais faire les decks d'emprunt parce que c'est ce qui est demandé. Vous voyez, je suis gentil, finalement, on le fait ce soir. C'est pas tous ces faits. Oui. Oh, cet insecte, je l'ai assez vu, il me casse les couilles. Gaïa, le chevalier d'origine. La carte peut être traitée comme deux sacrifices dans la sacrifice d'un monstre guerrier. Un monstre guerrier. Un monstre guerrier, on est d'accord. Plus c'est niveau 5, je m'en pas les couilles. Pour utiliser chacun des effets de Gaïa, le chevalier implacable d'origine. Vous pouvez envoyer un monstre dominé au niveau 5 depuis votre main au cimetière, invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Durant la battle phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler un monstre sur le terrain dont l'attaque actuelle est différente de son attaque d'origine, son attaque devient son attaque d'origine. Ok, il y a des boosts d'attaque, ok. C'est Gaïa chevalier implacable, Gaïa chevalier implacable rapide, Gaïa chevalier dragon champion, vous contrôlez, attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants à votre adversaire. Si Gaïa, le dragon champion, inflige des dommages de combat avec cet effet, piochez deux cartes et dépossez une carte. Mais je ne passe pas cette carte. Et sinon, je raguais qui est Monster Reborn, malédiction du dragon, bim. Je raguais qui Gaïa de merde. Je peux faire d'excise. Je sais pas ce qu'il y a, mais je peux faire d'excise. Bim. Je norme. Oh, je vais faire Link 3. Il faut des noms différents. C'est-à-dire que j'aurais pu faire effet mon storyboard direct et je suis trop con. J'ai dit qu'il faut faire des exercices. Pourquoi je veux faire des exercices? Pourquoi je veux pas gagner? Pourquoi je fais de la merde? 2, 3, 4, 5, 1. Faites seulement ta gueule. Bah les couilles. Ouais, du 1 pour 1, pourquoi pas? Ah, putain, ça m'en pas les gueules. Je le sens quand même assez mal, hein, ce combat. Pas de géant, j'ai perdu. Parasite. Cocon de l'évolution. Aïe. Ça, je le passe pas. Ah ouais, le chat, il passe pas. Je vais pas passer. Ok, parfait, un monstre fusion, dragon depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. Si vous invoquez spécialement Gaïa Dragon Champion par cet effet, il gagne 2 résistances en points d'attaque. Et aussi, vous avez fait de la merde le tour précédent, donc ça va vous coûter très cher. Je le top deck cette merde. C'est-à-dire que je pouvais passer ça tranquille. Je peux bannir invoquer. Attendez, attends. Non. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, cibler un monstre sur le terrain dont l'attaque est de. L'attaque devient son double. Mais c'est de la merde. J'invoque la malédiction du dragon. Putain, j'avais la game sur le top deck. De la merde comme d'hab. Comment ça dans ta gueule? Donc en gros, il me parasite, il fait un gros ton avec son cocon, mes fesses. C'est bien. Je le passe plus, j'ai perdu. Je vais la refaire. Gookie Ball! Gookie Blur! Oh, si tu as perdu pile poil de kill.
trop bien. J'aurais dû le first try. J'ai fait de la merde, c'est ma faute. C'est ma faute. Mais après, je savais pas que j'allais top deck la fusion qui me permettait de retourner la game. 4 packs quand même. Généreux, hein, si tu gagnes. Allez, encore. C'est rigolo. Ah, j'ai plein d'effets que je connais pas. Donc cette merde. Et cette merde aussi. C'est moi qui commence. Ah, j'ai perdu. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement pour y ajouter une magie piège depuis votre deck à votre main. Il est spécifiquement vraiment. Cette carte envoyée au cimetière. Vous pouvez cibler un gaillard depuis votre zone monde. Sur la fin de ce tour, annuler les effets des monstres à photo actuellement contre votre adversaire avec une attaque inférieure ou égale à celui-ci. C'est de la merde. Vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Cette carte est invoquée normalement sans sacrifice, son attaque devient 1009. Si cette carte est sacrifiée, vous pouvez ajouter un monstre soldat du renoir depuis votre deck à votre main. Carte est sacrifiée, d'accord. Vous pouvez utiliser les effets de Gaïa qu'une fois par tour. Cette carte est toujours aussi traitée comme une carte Gaïa, chevalier implacable. Si vous ne contrôlez aucun monstre, ou que votre adversaire contrôle un monstre avec minimum 2300 d'attaque, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Carte invoquée normalement, ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre dragon, minimum niveau 5. Puis votre main, ou cimetière en position de défense. Utiliser ces effets de énorme. C'est pas ce que je veux faire. Si je norme, il va truc. On va le laisser. En fait, c'est très simple. Tant qu'il a pas sa géance, il devrait le faire. Mais putain, j'ai perdu. Non, ça va, c'est un monstre à effet. Moi, j'ai rien dit. 2, 4, 6. Aïe. Oh la viole. Satan, la viole. Excuse. Pas de géant, hein, je peux pas jouer. Insecte shinobi. J'ai l'impression d'affronter Damien, c'est pas possible. Stade géant, petit rappel. Oh, j'ai top des Craig et qui sont un gros bâtard. Mais on les calculs de dommages, si un joueur va recevoir des dommages de combat, vous ne pouvez recevoir qu'un dommage de combat, vous allez. Chaque joueur, si vous faites envoyer un monstre maximum de 4, voilà. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal insecte depuis votre cimetière. Je peux pas en invoquer qu'un seul après ça. Deux mondes différents, donc regarde. Donc j'ai pas un pet. De toute façon, il va refaire son bord. Oh, effet, je réinvoque spé le monstre normal insecte mes couilles. Me perd. Ensuite, effet. Non, d'abord, invoque spé. Pourquoi je peux pas invoquer spé? Hein, il faut que. D'accord. Je contrôle avec un monstre. Et je veux pas envoyer un malédiction dragon. J'ai pas un. Un monstre minimum niveau 5. Ok. Cette carte est inutile. Invoque spé. J'invoque spé. Occasion de sacrifice, ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai branlé? Ah oui, il compte comme deux sacrifices, je suis bête. Ah, deux sacrifices. Je sens une battle qui sert à rien, juste à me faire perdre plus facilement. Voilà, bon, c'est normal. Aucun dommage. Ça se perd parce que j'ai que des monstres de merde. C'est là que j'aurais aimé le top deck fusion là. Excuse. Oh la percée. Oh. Effet. Je sais pas pourquoi effet. Merci. Insecteur, ouais, exactement. Insecteur, oui. Cet insecte-là, on voit un peu moins. Ah, je peux faire un effet rapide de mettre son attaque d'origine. Le deck est trop bien construit en face. Le mien, il est nul à chier. Comment ça va ? Stade géant.
Ça sert à rien, il passe à 2004, j'ai 2000. Ah, je reçois 0. Non. Non. Faut encore jouer. Je vais m'achever là, on se fait chier. Shinobi. Cowboy Gagaga. Non, il fait pas. Double péché. Montre-moi toutes tes strats. Le papillon, ça, s'il y est aussi. On sent qu'il n'y a pas. Un secteur à nouveau. Monster Reborn. Qui m'a fait? Il m'a fait plein de trucs. Il y a toujours ça qui me casse les couilles. Malédiction de mes couilles. Invoque SP. Ah. Je peux. Je vais juste tenter une batteuse qui sert à rien. Je pète l'insecteur en urgence. Il a plus rien. Il a plus de ressources. Il a mis toutes ses petites merdes. Il a fait toutes ses ressources. Non. Oh mon dieu. Ce retournement de game. Il a plus rien. Tortue catapulte. Vous pouvez sacrifier un monstre invoqué spécialement, un monstre Gaïa ou un monstre dragon de niveau 5 depuis votre main ou deck. Je peux le sacrifier lui et invoquer Malédiction du dragon. Ou un Gaïa. J'active. Je le sacrifie lui. Ah, pioche, vas-y. On rappelle qu'il y a le concours de l'évolution qu'il faut que je fasse bien. Grosse malédiction comme ça. Oh lui il a l'air bien. Vous pouvez sacrifier un monstre fusion dragon avec spécialement cette carte depuis votre main. Ouais mais de toute façon j'ai jamais de. Vas-y, il me paraît fort, allez. On se rend fou. Vous activez l'effet. Ces cartes vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque sur le terrain, changer en position de défense. Vous pouvez sacrifier cette carte, ajouter un monstre guerrier pour le deck à votre main. Je vais dire, Non. Batteur. Battle. Je tape ce qu'il faut là où il faut. Faut que je fasse avant qu'il ait les trucs de cocon de médecine. Il a parasite et cocon, c'est fini. Ni PV, quoi que. Sur lui. Mais il est trop nul mon adversaire. Ah, j'ai pas assez pour le tuer, je peux pas invoquer ces cartes invoquées normalement spécialement. Vous pouvez cibler une carte magique sur le terrain, détruisez-la. Une fois par tour, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra en utilisant des monstres que vous contrôlez. Cette carte incluse comme matériel de fusion. On verra plus tard. Battle. C'est surtout la grosse mythe. Zéro. Et la grosse mythe. Je la mets en def parce qu'en fait s'il me sacrifie lui et qu'il invoque la grosse mythe, je suis mort. Donc là il faut absolument que j'arrive à choper la fusion. Parce que là s'il a parasite c'est la merde. Faut d'extra. Il n'y a plus d'extra. Ok. J'ai bien joué, j'ai bien joué. Draw. Un autre Gaïa. C'est chaud. Absolument que je me débarrasse de. Je la veux. Je te veux.
Vous qui est le gros, c'est lui. On voit ça, on voit ça. On voit tout ce que je peux, tout mon artillerie. Je veux qu'il tous les insectes de son deck. Je veux qu'ils disparaissent. Je vais faire BLS. Pourquoi je refais une prison derrière? Non, je peux pas. Non. Je tape avec une 2000, rien à foutre. Maxé, pourquoi pas. Tapez. Envoie tous tes insectes. Elle a un parasite, ça c'est bien. Encore. Envoyez un parasite. Il y a un parasite en moins. Je perds sur la grosse pique paradis, c'est horrible. Ah oh. Gaillé au galop. Je sais pas ce que c'est, mais je l'active, allez. Vos adversaires ne peuvent activer de cartes ni d'effets durant la Battle Pass tant que Gaïa, le dragon champion, est dans votre zone monstre. Finish him. Tiens, Gaïa. Oh, il avait le parasite, pourquoi il a... Ah, il a pas de cocon. Il a pas chopé de cocon. Ah, tu peux pas activer. Il a plus de parasite. Il n'y a plus de parasites. Le passe, je peux le passer. Ça c'est que je peux pas... Révéler un monstre Gaïa. Révéler un monstre dragon. Je te révèle. Non, je peux pas activer l'autre. Ouais. Je révèle un Gaïa. Je vais chercher un dragon. Dragon rouge. Ok, par fusion, un monstre fusion depuis votre exact phase en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel. Si vous invoquez spécialement Gaïa, le dragon champion, par cet effet, il gagne 2600 points d'attaque. Et aussi, il peut faire maximum 2 attaques sur des monstres. Il faut que j'invoque un Gaïa. Yo, mon Gaïa. Gaïa, le dragon champion. D'accord, c'est celui-là. Hein. Monstre de cartes devient Gaïa, le dragon champion. Sélectionner 2 monstres de ma main. 2 monstres de ma main. J'ai 2500 points d'attaque sur le terrain. C'est lui. Je m'étais trompé tout à l'heure. Si vous voulez. On verra après. Je te défonce la gueule. Non. Non, je veux pas activer. Non, j'ai eu de la luck. J'ai eu beaucoup de luck, qu'en fait son stade, il a utilisé tous ses monstres normaux, du coup il avait plus qu'à envoyer. Mais c'était sur un cocon de l'évolution qui me tuait. 2 try. Après il faut que je fasse ça avec mon deck contre un Gookie Paul. Vous voulez que je tente le deuxième du coup? Et fureur de Kairushin et hommage torrentiel en tandem pour détruire tous les monstres de votre adversaire tout en empêchant le monstre haut d'être détruit par hommage torrentiel. Gardez également un œil sur Dragon Lévia Dédale, qui détruira toutes les autres cartes sur le terrain lorsque son contrôleur enverra un Umi au cimetière. Il y a beaucoup d'autres cartes qui tournent autour de la magie de terrain Umi, alors faites attention à ne pas laisser Umi et d'autres magies de terrain associées trop longtemps sur le terrain. Dieu, c'est un bordel. C'est lui qui a le Kaioshin. Moi j'ai du... Ouh, j'ai... Ok. Alors j'ai toujours pas de magie fusil. Donc là, oui. Là, si vous défaussez cette carte, c'est une carte, je vais terminer ça maintenant. 2100, je peux pas le passer. J'ai un pot d'extra aussi. Et moi j'ai du Valkyrie, c'est ça. Oh, c'est énorme. Oh, j'aimerais tellement l'avoir en vrai celle-là.
La sorcière du sable. Ça, c'est l'une des cartes que je cible à essayer d'avoir, puisque sorcière du sable, qui s'appelle la sable mystique de son vrai nom en carte, c'est une carte forbidden. Mais c'est une carte forbidden qu'on invoque très facilement et qui est emblématique dans Forbidden Memories. Donc j'aimerais bien qu'il la réédite un jour. Ça serait super d'avoir, ça fait partie des rares cartes qu'il faut absolument que j'ai dans ma collection Forbidden Memories. Alors, sondage en dossier. Mais... encore du Gaïa, mais putain, mais casse-toi Gaïa. Pourquoi j'ai que du Gaïa? Et pourquoi j'ai que l'Imperion? Ah, parce que le Valkyrion, c'est un monstre. Okidoki. Vous pouvez déposer cette carte au cimetière et ajouter une poly. Pour l'instant, je veux piocher. C'est déjà pas mal. Je veux piocher 2. Ok, alors par contre, cette carte invoquée normalement, vous pouvez envoyer un monstre guerrier depuis votre deck au cimetière. Cette carte envoyée au cimetière, vous pouvez bannir 3 monstres guerriers. Vous invoquez spécialement un Valkyrion depuis votre nom ou deck. Okay. Carte invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre guerrier magnétique de maximum niveau 4. Et votre main, vous pouvez utiliser cet effet de guerrier une fois par tour. Dans le tour de votre adversaire, vous pouvez sacrifier cette carte invoquée spécialement un monstre guerrier de niveau 4. En effet rapide. Ciblez maximum 3 monstres guerriers magnétiques de maximum niveau 4 dans le cimetière, ajoutez-les à votre main. Dans votre tour de chaque joueur, sur ce tour de cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte. Et ciblez un de vos monstres guerriers magnétiques de niveau 1, invoquez le spécial. D'accord, est-ce que Plumeau ça va être utile pour la situation? Pour l'instant, ça ne pas trop. Je vais chercher une poly. Alors, le problème, c'est que c'est le très gros, c'est ça. J'ai qu'un seul très. Ah, il n'en est plus qu'un. Le Valkyrion plus le Berserkion. Il faut un Valkyrion, ça c'est sûr. Deux autres ont été bannes, ça c'est dégueulasse. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir ce que vaut l'X6-3. Cette carte n'est pas affectée par les effets d'autres monstres. Une fois par tour, dans le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel de cette carte jusqu'à la fin de ce tour et gagner 1000 points de def. Et on ne reçoit aucun dommage d'effet de carte à ce tour. Mais sans... c'est une 1009 de base. On va aller chercher tout ce qu'il faut. Une carte qui me permet de... Non, je peux invoquer des guerriers mes couilles. Vous voyez, là, une petite. Hein. 1004, 1007, 1005, 1008. Allez, hop, c'est down. End phase. Allez, il me faut un de Clion. Ah, mais il me faut un roi des marées en fait. Il me faut un autre roi des marées. J'ai Valkyrion, mais j'ai pas Berserkion. Donc, du coup, pour faire le gros ton derrière, je peux pas. Pas invoquer Imperium comme ça. C'est ça le problème. Guerrier magnétique. Il faut absolument que je récupère le roi des marées.
problème là. J'ai cherché plein de trucs. Le problème c'est qu'il faut que je chope Valkyrium. Là il va invoquer ce plus Valkyrium en fait. Yep. Top deck, top deck. On va s'en manquer de cartes. S'il y a des cartes magiques de terrain sur le terrain, détruisez-les. Tu vois, son papa, le joueur du tour reçoit 500 points de dégâts. Alors, c'est bien dans le sens où il n'y a plus de terrain à chaque fois. Ça commence à faire beaucoup. J'ai pas Dex6-4, hein, j'ai que Dex6-3. Hyper gaffe à ça aussi, ce. Ça bête. Ça sert à rien, j'ai un plumeau en plus, du coup ça sert à rien. La poly, finalement, elle m'handicape plutôt qu'autre chose. Ah mais ils sont là les deux. J'ai le Berserkion qui est là. En bannissant de l'alpha beta gamma. Salut! Vous pouvez bannir un monstre guerrier magnétique de maximum d'un depuis votre cimetière, puis cibler une carte contrée par votre adversaire, détruisez-la. Cette carte détruite. Quel est spécialement? Détruire son terrain, c'est le plus important. Je peux faire autant de fois que je veux. Bon, let's go, hein. Ne nous privons pas. C'est quoi ça passe caché? Allez, battle. Tellement l'avantage dans ce coup. Tout ce que je voulais c'était invoquer la fusion. Donc il me reste plus qu'un roi des marées ou un Valkyrion et la police est finie. Donc, l'objectif c'est vraiment d'avoir les deux en main. Donc si je perds celui-là, ça pue un peu. Putain, il y a eu trois fois le terrain quoi. 3, 4, 5 c'est fini. Champ magnétique. Champ magnétique. Oh, je peux même m'amuser à faire ce que je pense. Ah oui, je peux plus dans les cimetières. Allez, attaque tout le monde! Allez, attaque! First try! Et ben voilà. Bon, j'en ferai un petit ou deux par séance peut-être. Que je finisse le lore du coup héritage du monde, il faut que. C'est mon truc. Alors, vu l'heure, on est dans les temps pour le PVP. On est dans les temps un peu pour le PVE, mais bon j'ai encore tellement de trucs à faire en solo. Il va y avoir tout de suite après la nouvelle saison. Bordel! Dans un mélange de PvE, PvP à chaque séance pendant encore longtemps. Bon, enfin, toujours est-il qu'avant de finir, parce que je pense qu'on. Enfin, je vais pas encore m'arrêter là vraiment. Déjà, j'ai un pack gratuit, c'est vrai. L'avenir brillant.
En espérant que je tombe sur un bon pack là. Si je rejoue Gears ou je pète un pont. Avramax, ça me plairait. Je joue pas Avramax. Avec l'Orcus et tout. Un très bon pack ça en vrai. Il y a du Dragard, de l'Orcus et du Croisédia. C'est trois bons decks. Allez, le pack. Voilà, si je top sur l'ultra et que l'ultra c'est Avramax. Fallait pas rêver non plus. Non. En plus, le pack c'est 4 classiques et. Ah, ouais, on va. Le chercheur millénaire. Fusion spirale, très bien. Fusion pyroxène, que de la fusion. Dragon totem, et maintenant. Une baguette bing bing. Orcus rayon, putain, que du rare. Réclusia. Et chevalier du cauchemar, Orcus. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5 rares. J'ai eu 5 rares dans le même pack. Non. Et ça, c'est bien. Voilà, le dragon, il gagne 2 visites en point d'attaque. La carte qui m'a sauvé. Ok. Bon, bah, moi, c'est bon pour moi. Mais avant de finir, on va faire un peu de spec comme d'habitude. Je commence mes séances en regardant quelques match-up. Au moins une pour faire ma quête, mais je finis souvent pour, en espérant tomber sur un bon duel quoi. En un seul mot, un charcutolie. Alors on a du Zexal, du Kitoudou en main de départ et fin de tour. Voilà, super. Il y a deux lapinous en train de se battre. Commandant lanceur. Ah, ça doit être avec la 5. Maintenant, même pas la synchro 3 est sortie. Oh, le top deck, bien joué. Le truc que t'as pas hier là. Allez, on pète ça. Une cascade, ça. Ça va pas lui poser de problème là, vu la situation. Donc, les utopies. Oh, t'as un qui tout double. Il a un qui tout double. Allez, qui tout double. Non. Qui tout double utopie. Il va l'autre TK. Tente. Faut tenter là. Allez, tente. Putain, la vache. Double qui tout double, il peut encore négate pour doubler l'attaque. Ah, il s'arrête là. Pas vraiment de la luck en face, c'était un deck pas trop... Mais franchement, la main de départ était... La top deck renfort d'armée et tout, franchement. Ah, c'est dommage, j'aurais voulu m'arrêter là, mais bon, j'ai encore un petit peu de temps, allez. Ouais, tant qu'Araka se doute pas qu'après derrière je suis sur le start en fait. Alors, un dino monte perdu 2 en main de départ, c'est dommage. Par contre, le Colette c'est pas mal. Pardon. Qu'est-ce que putain de quoi? Gamma! Il n'y a pas sans bail! Ascension! Colette by the grave sur le truc, c'est nul! Boost, perte d'attaque, changement de position de combat. Norme! Tout est parfait! Dragon à pas, y'a rien! Token, fait péter truc pour pilule. Link Kuribo pour faire la pilule. Non mais c'est quoi ces moves? Retruc pour faire le truc gardien et tout. Et voilà, Garna pardon. Effet pilule, il le fait. Gamma qui sert pas à grand chose hein, parce qu'il n'y a pas eu des dalles.
Super, tu peux faire un board 1000 fois mieux et tu fais de la merde. Dommage. Il peut perdre bêtement sur top deck Ragnar. C'est énorme. Parce que là, il y a dragon à pas pour faire deux balles derrière. Il n'y a plus de gamma. Raigeki qui s'arrache. Ah, putain, il joue les mêmes decks que moi. Oh, peut-être 1000 fois mieux. Un autre Colette, c'est trop bien. Bébé Serazor. Effet. Invoque token. Battle, tape token. Tokiasa qui invoque espèce de dédale. Effet dédale. Banne les deux. Ça, c'est beau. HN2. Ça banne les deux, puisque lui il a été invoqué de paix. Token, on s'en fout, c'est détruit automatiquement, c'est considéré comme banni. Hop, dragon à pas qui revient. Faut au top deck dimension là pour me débarrasser de ça. Voilà. Plumeau, c'est encore mieux, allez. Terraforming, bon ça c'est. Valet mortuaire, mais excellent. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il joue plus avec son cimetière. Très bonne idée. Salut Noxid. Voilà, ah, un pot, allez, c'est encore là. Ah, du beau spectacle là. Ah, pilote, c'est de la merde. Cancreda, c'est de la merde. Alligator, ah, il peut encore jouer. Oh là là, oh le gros. Oh le gros. Ah, il est parti sur Prankra, on sait pas pourquoi. Effet. Voilà, Prankra. Effet Prankra, regardez ça, c'est trop bien. Battle. Effet. Tyran. C'est Negate. On casse ça sur le terrain. Une phase. Faut que tu fasses PTE. Le problème c'est qu'il va le protéger et tout. Faut que tu t'en débarrasses de ça. Qu'est-ce que ça? La trappe ambulante. Effet, perte d'attaque. Ascension métaphyse. Va chercher dimension. Ça devient important là. Ragna, mais non pas Ragna, tu viens d'invoquer énorme. Y'a pas de la merde. Si tu veux pour faire ça, dimension, top deck dimension, ça serait cool. Ok. Y'a pas fini. Oh, extraction de fossile qui top deck. Il va chercher Obli. Dimension qui est là, ça c'est cool. Va chaîner Prankra, il va péter, c'est obligé. Ou c'est une merde. Obli qui est là, ça c'est normal. Hop, Obli, effet Obli. Elle doit peut-être monde perdu pour empêcher les invokes P. Ok, fais péter monde perdu et c'est bon. Hop, invokes P, Obi. Bah, tuto Dino pour immuniser contre les effets. Donc, faire gaffe. Dimension, va chercher Ragna. Voilà, effet Ragna, bam. Voilà, effet assis métaphyse, nickel. Chaîne 2. Terrain. Ah, c'est immunisé, tout va bien. Ça devient extrêmement compliqué quand même. Et là t'as plus de cartes sur le board. En gros il attaque juste Pourquoi tu ravoques un Ragnar? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh top deck à métaphyse. Dragon à pas il revient. Horus. Oh il part sur Horus. Effet Horus. Chaîne 1. Chaîne 2. Chaîne 3. Il sacrifie pour détruire. Du coup, il va récupérer ça. Il attaque avec Ragda. Et c'est la game. Allez, X6 derrière. I5. Effet. Il va se faire gamma. C'est pas fini. C'est énorme. Hop, effet dimension. Il était déjà activé dimension. Là il vient d'avoir SP. Ça ça dégage. Là tu joues top deck maintenant. C'est une merde. Très bien. Macrocosmos. Un peu tard, mais c'est pas grave. Ok, 1200 PV. Faut tenter d'attaquer quand même. Mangeur de millions. Putain, ça joue le top deck en face hein. Et Nécrovalet, il peut pas jouer avec le cimetière aussi. Cancrenamax, obligé de mettre en votre défense. Le tir, il est banni vraiment trop là. Dommage. Ah, c'est les vieilles cartes que j'utilisais à l'époque.
Il a fait quoi? Il a fait une mangeur de mignon. Il était en top deck. Plus du tout. Oh, plus du tout, il peut l'achever. Oh mon dieu, top deck. Top deck dragon ou pas? Oh mon dieu, c'est fini. Plus du tout, Ovi, attaque direct, c'est fini. Un pot. N'importe quel monstre. Rex. Oh, Rex, c'est suffisant. Il va l'achever avec Rex. Oh, excavation. Plus du tout. Rex, battle. Tapez pour l'achever. Bien fait pour sa gueule. C'est negate. Effet. C'est negate. T'es mort. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Stop. Ah, le plus du tout de réduit à zéro les dégâts, c'est vrai, plus du tout. C'est plus du tout. C'est pas fini. Oh là là. Révoque pas du cimetière, trou du cul aussi. Et plus du tout. Encore un pot. Battle. 5 encre là. Énorme. Il n'ose même plus activer l'effet alors qu'il a encore plein de métaphysique vanille. Même pas. Il peut pas attaquer direct. Ah, recharge de fossile, c'est fini. Ah, le misplay mangeur de millions, sérieux. Il avait un board ultra équilibré et il se suicide comme une merde. Bien fait. Il y a magie, oui. Ouais, je l'ai vu après. C'est vrai que c'est pour ça que je joue pas plus du tout, c'est parce qu'il fait zéro de dégâts. Dommage, il n'y a eu qu'un seul misplay du... Alors qu'il y a eu des moves de merde du côté du dino, et il aurait pu partir sur un board bien plus dangereux. Et le mec fait juste un misplay. C'est ça le problème avec le métaphys, c'est un seul misplay et voilà ce qui se passe. Le misplay, ça a été de faire un mangeur de millions en utilisant plein de cartes sur le terrain. Et après derrière Macrocosmos. Et en plus, il utilise. Il avait plus de cartes. Métaphys banni. Donc, du coup, il utilise un dragon à pas qui était en échelle pendule pour rien, puisque son propre nécro-valet l'empêche de jouer derrière. Sa propre magie, qui était censée être un avantage pour son deck, l'a paralysé. Incroyable. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, non? C'était sympa de voir un autre métaphys. Un confrère, en plus, j'ai pas vérifié s'il était goldé. Vraiment, il devait être goldé celui-là. Donc, comme quoi, Métaphys peut golder au moins. Et franchement, le dino, c'était jouable là. Il avait tout bien fait, il avait fait Raigeki. Encore. Voilà, on est tombé que sur des bons trucs. C'est ce que j'avais dit, hein, le vendredi soir, quand tu spec comme ça, c'est énorme. T'as quelques misplays, mais c'est pardonnable comparé à d'autres trucs que j'ai vus qui étaient encore pires. Donc deux au niveau en main de départ, une force de miroir. Encore de la banne. Encore de la banne. Et qu'un Oniwan, une force miroir, c'est excellent. En face, c'est un Tri-Brigade. Tri-Brigade Oniwan, ça pue. Force de miroir. Même phase 2, effet, même pas. Ah oui, il est ban. Il va pas passer. Oh, et avec l'équipement qui va avec. Non, tu perds ton avantage bêtement là. Qu'est-ce que tu fais? Un double, parce que nous, c'est pas limité. C'est en plus, c'est un Zodiac, c'est pire. Il a la version la plus méta du Tri-Brigade. Rident. D'abord, chaque énigme. Après, on va faire Wukong. Voilà, suicide-toi, très bien, ça marche aussi. Hop, ça dégage, pour tout bannir. Ah, il peut jouer ses cartes. L'équipement. Ça va rien changer, hein, donc, chaque lane. Ok, bon, il y a de la carte piège. Ouais. Dispositif! Oh là là.
Une bête guerrier? Non, c'est une bête. Et l'autre en face, c'est une bête, la ligne 3, je sais plus. Hey, le bise d'avocat, une bête télé. Qui dégage? C'est bien une bête, la ligne 3, triguée. Ou sinon, Donc, petite explication, un peu de ruling. Même si il ne peut y en avoir qu'un et qu'il voulait invoquer un autre monstre Link 3 qui était potentiellement une bête. Même plus, c'est, je pense qu'il est bête. Hein. Vous pouvez me couper si je me trompe, mais normalement, la Link 3, elle est bête. Hein. Soit bête guerrier. Mais je pense qu'il est bête parce que je pense que c'est ce qu'il voulait invoquer. Mais comme vous pouvez le constater, maintenant qu'il a activé l'effet, il est obligé de l'appliquer. Donc le Only One n'empêche d'invoquer des monstres bêtes. Mais il avait une bête télé Link 3 qu'il pouvait invoquer. Du coup, ben, il est obligé de le faire. Voilà, c'est le petit point. Carte d'exécution, paf paf, carte d'exécution. C'est un trou de Raku. Cancrela qui sert à rien. Pour l'instant. Oh là là, Victor Bordeur. Gouttelette de l'interdit en chaîne. C'est vraiment la méta-méta. Hein. Alors, c'est son board qui a changé. Du coup, le combat va continuer. Ah, là, son board a évolué. Enfin, double only one. Stop! À cause de lui, il pouvait pas terminer l'effet de ça. Invoquer spécialement un nombre de monstres bêtes de guerriers bêtés. Mais les effets. Puis immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par un lien, mais ça vient très brigade en utilisant uniquement ses monstres. Il est qu'un révolte très brigade partout. Il avait fait quoi, attends? Il y a un souci sur le. Il avait fait fouet de queue, chacanine, fractal et nerval. Il devait faire une link 4 après avoir invoqué ses 4 monstres. Et c'est. Il n'y avait pas l'only one encore. Si, il y avait déjà l'only one. Ouais, il y avait déjà l'only one. Ce qui fait que. Il a dû se débarrasser des deux cartes parce que la carte continue était là. Et à partir de là, il ne restait plus qu'à faire du link. Je sais plus. Faut que je revoie parce qu'il y avait Yorisama qui avait bien expliqué comment ça se passait le Only One contre ça. Il me semble que c'est parce que Fractal a été invoqué. Faut vraiment que je vois le deck. Je suis désolé, mais faut que je revoie. Regarde à peu près les extras, je vois quel genre de type de monstre il s'agit parce que c'est ultra technique hein, avec le Only One. Donc tout à l'heure, il avait tenté un Link 3. Le Rugal est bête guerrier, donc il aurait pu le faire. Finalement, il est bête guerrier. Pourquoi il a pas pu faire la Link 3 du coup? Pourquoi il a pas pu faire? Donc du coup, il a décidé de faire la bête télé de son plein gré. Quant à Shureg, c'est une bête ailée. Et parce qu'il y avait lui sur le terrain, il pouvait pas finir l'effet. A partir de là, le Only One s'est appliqué. Du coup, il a dû se débarrasser des deux monstres au milieu parce qu'il y avait du bête ailée et du bête guerrier. Deux bêtes guerriers. Donc voilà, ça je m'en rappelle. Tout ça parce qu'il a invoqué celle-là en trop. Et tout à l'heure, c'était un move qu'il a fait lui-même. Hein. C'est pas. C'est un bête guerrier donc il a pas voulu invoquer Rugal, il a préféré invoquer la bête télé. Moi j'aurais plutôt fait Rugal du coup et après Link 4 pour me débarrasser de l'Only One. Le problème c'est qu'il sait pas mais il y en a deux. Voilà. C'est ça les explications. On finit d'appliquer l'effet
Mais comme il y a déjà une BTD sur le terrain, il ne peut pas invoquer sa ligne que 4, et qu'il était parti pour sa ligne que 4, il n'a pas de tri-brigade autre que bête guerrier et bête télé. Il n'y en a qu'une de toute façon de la ligne que 4, hein, c'est Chouleg. Et du coup, il se retrouve avec un inspecteur border anti-effet, même s'il y a eu des links. C'est son tour de jouer. Comme il y a eu une invocation, normalement, plus le mot, ça lui fait plaisir. Sauf qu'il y a... Oh, le con. Pourquoi t'as pas... Ah, tu peux pas assaut. Ah, c'est un effet de monstre. Pouvoir du garde. Bon, là, ça doit lui faire plaisir. Link 2. Effet tuto. C'est très bien pour partir sur une bonne base. Le fractal, non, le fractal. Exile. Ah, attention, il y a toujours Spectre Border, donc tu peux plus trop activer les effets après. Dans. Est-ce que c'est le dernier effet, Drivin? Non, il est obligé de taper avec. Suicide. Fractal, putain, c'est le fractal que t'attaques. Le Mimar, il fait de la merde. Il excise Dridon pour faire Sanglier Arc. Et maintenant Zeus. Une chacanine encore. Zeus. C'est pour ça que c'est ultra fort avec les Zodiacs maintenant. Très brigade. Oh, pouvoir des gardiens. Va aller chercher un pouvoir des gardiens. Très bien. Allez, vas-y, back. Voilà. Sans déconner, c'est vraiment pour le fun. Il a tellement peur de pouvoir des gardiens, c'est incroyable. Mais on s'en fout, allez. Fini. 4018. Ah, le plumeau qui a tout gâché cette belle partie, c'est dommage. Du gold. Bon, allez, cette fois c'est bon. Ça suffit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui sur cette dernière game. Où il y avait du ruling compliqué à se rappeler parce que c'est pas facile. Là, c'était vraiment la situation, heureusement que le jeu arrive à gérer parce que c'est vrai que c'est le genre de ruling. Mais je sais que Yori-sama en avait parlé justement de ce genre de conflit là entre le Only One et l'effet justement de la carte piège ou des effets tri-brigade en général. Donc vous pouvez regarder sa vidéo en question, mais je vous invite à aller le chercher lui et après chercher sa vidéo. Comme ça vous allez faire un tour sur sa chaîne et vous allez voir qu'il ne fait pas que ce genre de ruling, il y a plein d'autres rulings à présenter, d'où les dernières sorties d'ailleurs, hein. Et il va très souvent maintenant par rapport aux cartes qui sont sorties. Donc, moi ça permet d'être dans l'actualité. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. En tout cas, mon objectif 55 c'est bon. La semaine prochaine ce sera objectif 70 pour être dans les temps. En attendant, on se retrouve demain pour une séance je sais pas. Il va y avoir du Genshin, c'est sûr. Et je sais pas s'il y aura une séance Yu-Gi-Oh! Pour ça va dépendre s'il y a des achats ou pas à faire. Il faut que je regarde un peu. Alors que j'ai le follow de Hugo Tozor au bon moment, sinon c'était la fin et on n'aurait pas vu ton pseudo. Merci pour le follow, ça fait plaisir. On va la bombe. Donc voilà, donc comme j'ai dit, demain sur du Genshin Impact, après je vais voir si je vais faire du Yu-Gi-Oh! Si c'est du Yu-Gi-Oh! Normalement c'est de l'opening. Pas de points collect normalement, je vais attendre d'avoir les accessoires qui me manquent, les sleeves, pour compléter tout ça et refaire à zéro avec, avec ma nouvelle caméra autofocus. Ça devrait aller mieux. Donc je referai un peu la première vidéo que j'avais fait avec les cartes que j'ai eues depuis. Donc au moins ça fera une mise à jour. Sinon, on se retrouve lundi pour la suite des aventures de Final Fantasy XIII 2. Je continue enfin l'histoire. On est dans une zone où je vais faire quelques quêtes secondaires par des petits boules de sang géants paradoxales. Mais au milieu de tout ça, il y a le dernier fragment que je peux récupérer. Enfin non, c'est un cœur, ouais, c'est un cœur de je sais plus quoi. À récupérer, du coup je vais pouvoir continuer l'histoire.
Je crois que il y a aussi en quête secondaire le fait d'en récupérer un peu plus. Je crois que ça donne des trucs positifs, mais je sais plus lesquels. Je me rappellerai le moment venu, de toute façon. Sinon, on se retrouve mercredi pour notre séance Genshin Impact, encore une autre. Mais cette fois, c'est pour faire les events. Parce que j'ai oublié de préciser, le samedi, c'est que de l'exploration pour essayer de rattraper mon retard sur tout ce qui est exploration, tout ça. Et d'ailleurs, les vœux, c'est le samedi, normalement. Si tout va bien, Mercure sera là, je vais pouvoir faire mes petits vœux de la semaine. Améliorer aussi les personnages, dépenser ma thune, enfin... Voilà, tout ça, je le fais surtout le samedi, comme ça, on est tranquille. En tout cas, le mercredi, c'est l'event et c'est l'ingénierie, je sais plus quoi. Je sais pas ce que c'est, apparemment, j'ai l'impression qu'on va créer nos propres donjons et c'est un concours en quelque sorte. Mais je dirais vraiment tout ça mercredi parce que je sais pas vraiment de quoi il en est question. Et enfin, on se retrouve vendredi prochain pour notre séance. Donc, un peu de solo. Donc, on va finir le lore héritage du monde du jeu. On va finir les duels pass. Au niveau 70, la constructe elle va rester là pendant un bon bout de temps à voir ce que ça va donner après la prochaine session. Et comme vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure pour ceux qui étaient là, possiblement un jour un live spécial qui va peut-être remplacer un live du samedi ou un live du mardi soir ou un live du jeudi. On va essayer de voir si on peut se réunir. Je sais pas jusqu'à combien ça peut être, mais j'ai jeté un coup d'œil à SCP Containment Breach. S'il y est sur Steam et qu'il est gratuit et en plus c'est du multijoueur, il y a de quoi se faire flipper entre nous. Sachant que je sais que pourquoi Arakai il veut m'inviter, c'est parce que je fais partie des plus courageux qui connaît un peu, mais le problème c'est qu'il y a tellement de mises à jour que je connais quasiment plus le jeu. Donc je vais pas être d'un grand secours là-dessus, c'est mieux. Comme ça on va découvrir ensemble tous les ennemis qui vont nous tomber dessus. Oh, ça serait trop énorme. SCP-106 qui poursuit l'un de nous. On va se disperser, on va se paumer tous les... Oh, j'espère qu'on peut jouer jusqu'à 4, il faut qu'on soit 4. Si on est que 2, c'est pas drôle, mais si on est au moins 3, ce serait cool. Et si on est 4, je pense que c'est mieux. Plus, ça commence à être trop bordélique, il y a un peu trop de monde pour un jeu comme ça. Ouais, il faut que ça soit du même délire que Phasmophobia. Enfin bref, pour l'instant, plus pour une fois. D'habitude, je dis à Raka, non, parce que les projets où on joue en multijoueur, ça ne dure pas. Là, on est parti pour une bonne séance. Mais une seule. On en fera d'autres peut-être plus tard, mais je vais pas faire ça tout le temps. Vraiment très rarement ce genre de truc. Ça me dérange pas de faire une petite séance comme ça de temps en temps, mais pas constamment au point de se lasser et de s'engueuler comme des débiles. Bon, enfin bref, j'en dis pas plus là-dessus. Allez, sur ce, moi je vous dis bonne nuit plus. Ciao, c'est Jean.